العلا قصص عيونا تغيب تغيبا. السلام عليكم تيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مروان. عليكم السلام، صباح. Oui, toi. الحمد لله، ça fait plaisir. Je t'avais envoyé un message, j'attendais ta réponse en privé. Je me suis dit, il Ah, est peut-être pas je là. suis désolé. Non, je suis là. Mais là, en fait, c'est tellement la cavale. Je viens d'arriver de cours, en Oui, c'est fait. pour ça. Je rentre de Bruxelles. Et là, le temps d'embrasser les enfants, et bim, c'est bon, là. Alors, bienvenue Marwen, Ok. merci encore d'avoir accepté Merci mon à toi. invitation. C'est un honneur pour moi de t'accueillir ce soir Merci à vous, pour merci parler à l'équipe. pour un nouvel épisode de Rappel et questions-réponses. Donc, ce soir, tu vas nous parler du pouvoir des mots et il sera suivi d'échanges avec les abonnés, ceux qui souhaitent monter dans le live. Donc, Avec je te plaisir. laisse la parole, Marwen, et Ouais, ensuite, je vais je reprends. prendre. Je pense que je vais prendre un petit 20, 25 minutes max pour intervenir. J'ai préparé un petit truc pour vous, Inch'Allah. Et puis après, on passe surtout aux questions-réponses. C'est ça C'est le mieux. plus important. Donc, juste pour recadrer le sujet, la thématique du pouvoir des mots, en fait, elle a plusieurs implications. Elle a des implications, bien entendu, en communication, en stratégie, en construction de messages. Elle a aussi des implications sur le plan éthique et religieux. Sur toute la partie religieuse, bah, vous connaissez la règle. Moi, j'interviens pas sur l'aspect fiqh et sur l'aspect jurisprudentiel. Je suis désolé, je règle juste un petit truc avec le téléphone. Et bim, ça devrait être bon. J'interviens pas en fait sur l'aspect jurisprudentiel, religieux, théologique, mais par contre sur l'aspect éthique, je vais vous donner aussi quelques outils, quelques remarques. Et puis ensuite, on partira sur vraiment des conseils pratiques qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, sur tout ce qui est communication, sur tout ce qui est prise de parole, que ce soit dans le contexte familial, que ce soit dans le contexte associatif, que ce soit dans le contexte professionnel, pour que ce soit vraiment le plus pratique et le plus actionnable pour vous. D'accord? Donc, le point de départ, en fait, à titre personnel, il date d'il y a quelques années, quand je terminais mes études et que j'ai commencé à travailler. Et en fait, il y avait des situations, y compris des situations professionnelles, où je me retrouvais. Et en fait, j'étais formé en fait pour les mathématiques, puisque c'est ce que j'avais étudié. Mais quand j'étais dans le contexte professionnel, je me rendais compte que en fait, la partie maths, c'est important parce que tu es recruté là-dessus, tu es évalué là-dessus, mais la manière dont tu es perçu et la manière dont on va te faciliter, te rendre difficile certains aspects du travail, la manière dont tu vas être évalué de manière professionnelle aussi, elle dépend aussi de la perception qu'on a de toi. Et cette perception, elle dépend principalement de la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu te comportes avec les autres. Et il y avait tellement de fois où je me suis retrouvé en réunion où je dis ça. Il y a un collègue qui me répond ça, et moi je lui dis ça, et lui il dit quelque chose qui n'a pas forcément de sens, et j'ai pas forcément les mots pour lui répondre à ce moment-là. Et je ne sais pas comment prendre par quelle boule prendre. Est-ce que je le prends par un bout technique? Est-ce que je le prends par un bout de communication? Est-ce que j'essaie de le féliciter et de le faire valoir? Ou est-ce que j'essaie de moins me positionner vis-à-vis du reste des collègues? Je ne savais jamais comment gérer ces situations, y compris lorsque c'était des situations de désaccord. Et c'est juste le soir, ou bien le lendemain, ou bien quelques jours plus tard, où je me dis, ah, j'aurais dû dire ça. En fait, j'aurais dû expliquer le concept de telle manière pour que ce soit compris. Et je manquais en fait de moyens de communication au point où c'était même pas la peine en fait pour moi de demander l'heure dans la rue ou demander le chemin. C'était déjà en soi très très compliqué parce que j'avais une réticence, j'avais une difficulté, ne serait-ce que à exprimer, à contacter, à aborder quelqu'un, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre d'autres situations, dans le voisinage ou bien dans les associations ou bien dans le contexte familial. J'avais énormément de difficultés par rapport à ça. Et les rares fois où il y a quelque chose qui sortait de ma bouche, en fait, c'était maladroit, en fait. Je me disais, ah ouais, j'ai découvert en fait les mots que j'ai prononcés en même temps que les autres, en fait. Parce qu'il ne représentait pas exactement ce que je voulais dire et la manière dont je voulais le dire. Et des fois, je me retrouvais le soir dans Alors, mon. excuse-moi, Marwen, Pas Instagram, il a coupé de d'un coup. souci. Il n'était pas Pas de content. souci.
Non, 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 c'est le pouvoir des mots, c'est... Ok, bon, super. Donc, je reprends où j'en étais. En gros, j'expliquais qu'il y a plein de situations de la vie quotidienne où, en fait, on se retrouve dans des enjeux de communication. Et cette communication, en fait, elle a un impact décisif, pas uniquement sur les messages qu'on transmet, mais aussi sur la manière dont on est perçu. Et ça a un impact dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre entourage. Et il y a un décalage, en fait, entre les messages qu'on aimerait adresser et la manière dont ces messages sont perçus, reçus ou leur absence au bout du compte. Et combien de fois, en fait, on se fâche, y compris avec des proches, on se fâche avec des amis, on se fâche avec des membres de notre famille même parfois, parce que, en fait, il y a un décalage entre ce qu'on voudrait leur transmettre comme message et ce qui sort effectivement de notre bouche. Et on se retrouve, en fait, à dire, bah, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Et il y a des fois en fait où ça se crispe et on retrouve en fait des désaccords, y compris familiaux, et des grosses incompréhensions, y compris dans notre entourage amical, nos proches, nos collègues, et ainsi de suite, juste parce qu'il y a des décalages entre les messages qu'on essaie d'adresser, les messages qu'on reçoit et la compréhension qu'on a les uns des autres dans ces contextes-là. Et quand j'étais plus jeune, en fait, le soir, en fait, je refaisais le film de ma journée, que ce soit avec les profs, que ce soit avec les amis à la fac ou à l'école, ou que ce soit dans l'entreprise. J'ai ah zut, j'aurais dû expliquer les choses de cette manière, si seulement j'avais eu les mots pour faire passer ce message-là. Et j'avais cette frustration en fait vis-à-vis de ce décalage, de ne pas pouvoir transmettre ce que je ressens, ce que je pense, et parfois quand je le faisais, de le faire de la mauvaise manière et avec la mauvaise approche. Et ça me causait du tort. Donc j'essayais de refaire le film, et après je refaisais littéralement le film. Je me repassais en fait dans ma tête des films ou des séries ou des échanges ou des grands débats. Et en fait je me disais voilà, qu'est-ce que j'aurais dit dans cette situation? Qu'est-ce que j'aurais fait dans telle autre situation? Et dans mon imaginaire de jeune homme, en fait il y avait toute cette dialectique de les mots ont une puissance, ont un impact si seulement en fait j'avais cet outil entre mes mains. Donc je me suis fait violence en fait et j'ai choisi un job, j'ai pris un job en même temps que mes études où j'étais obligé de parler aux gens. Donc j'ai appris le télémarketing parce que ça me permettait d'avoir un petit peu d'argent de poche et de financer une partie de mes études. Le reste, mon épouse, elle aussi travaillait, elle me payait mes études. Après, j'ai travaillé, je vendais des journaux dans la rue et ça m'obligeait à apprendre à aborder les gens et à les convaincre. Bah là, de souscrire à un abonnement, ou bien là, d'acheter un journal, ou bien de lire un livre. Et au fur et à mesure, ça m'aidait à prendre confiance en moi, dans le fait de pouvoir prendre la parole. Et ce qui a été vraiment décisif, c'est quand j'ai commencé à être bénévole dans des associations. Et là, en fait, le complexe et la difficulté sont partis, en fait. Parce que j'étais plus en train de communiquer pour moi, j'étais plus en train de m'exprimer juste en mon nom, mais je m'exprimais pour défendre une idée, pour défendre une cause, pour défendre quelque chose qui me semblait absolument nécessaire. Et ça m'a donné au fur et à mesure les moyens, et ça m'a aussi mis beaucoup de pression, parce que je me disais, là, attends, c'est plus pour moi que je le fais là. Là, il y a véritablement un enjeu, un problème, en l'occurrence sur des questions de discrimination et d'exclusion. Et ça m'a donné le courage, la détermination, la force nécessaire, parce que je me sentais responsable en fait, vis-à-vis de mes frères et sœurs, vis-à-vis des adhérents de la SOS, vis-à-vis des gens qu'on essayait de défendre, de porter un point de vue. Et puis surtout, à partir de ce moment-là, mes parents, mon épouse, mes enfants, en fait, ça avait un impact sur eux aussi, et je voulais vraiment, vraiment, vraiment pas décevoir, ni du point de vue du message, ni déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala dans la manière dont je m'exprimais, ni déplaire à ma famille, mes frères et sœurs, et plus largement tous les gens qui se retrouvaient dans ce que je disais. Donc pendant toutes les années où j'étais au CCIF, à Full Express, dans les associations, pendant toutes les années où je donnais des conférences dans les mosquées, dans les villes, que ce soit en Île-de-France ou en province, systématiquement, en fait, il y avait cette idée qui me guidait. Tes mots, tes paroles, que ce soit en tant que citoyen lambda, en tant que musulman lambda, ou en tant que responsable associatif, ou en tant que personne publique,
Quelle que soit ta situation, tu es responsable de ce que tu dis et tu es responsable de la manière dont tu le dis. Et donc, et c'est la première idée que je voulais partager avec vous, il y a une éthique de la parole. Les outils que l'on apprend quand on apprend à communiquer, c'est des outils qui sont puissants et qui te donnent un ascendant, qui te donnent un avantage dans les situations du quotidien. Et qui dit nouvelles possibilités et nouveaux moyens, dit aussi nouvelles responsabilités, parce qu'à chaque outil que tu vas acquérir, tu seras jugé sur la manière dont tu l'utilises et sur la manière dont tu mobilises ces outils-là. Donc, ne jamais se servir des outils de communication de manière manipulatoire, de manière malveillante, au détriment des gens qui nous entourent, comme au détriment de personnes qu'on ne connaît même pas. Donc, ces nouveaux outils, ces nouveaux concepts, ces nouvelles idées que l'on apprend à maîtriser, ça, c'est des choses qui vont témoigner pour nous ou contre nous dans la manière dont on les utilise et dans l'intention que l'on formule quand on les utilise. C'est pour ça que, deuxième point, quand vous prenez la parole, pour ceux d'entre nous qui sont de confession musulmane, gardez en tête que c'est aussi un acte qui sera jugé. Et c'est pour ça que, de manière générale, quand j'interviens en public, j'essaie de formuler une bonne intention au début, de faire une doa, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner les mots justes. Et il y a une doa pour ça que personnellement j'utilise, c'est la doa de Moussa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Et la traduction approximative de ça, c'est ô mon Dieu, facilite-moi ma mission, pardon, élargis ma poitrine, c'est-à-dire facilite-moi la prise de parole et facilite-moi ma mission et fais sortir de ma bouche une parole utile, une parole qui va toucher les gens à qui je m'adresse et les toucher utilement, positivement, pour apporter quelque chose de bien. Et une fois que tu as fait cette doa et formulé une intention, franchement, je témoigne en tant que musulman lambda dans ce rapport à Dieu et dans ce rapport à la parole, véritablement, ça te donne énormément de force, énormément de courage et ça recadre les choses, ça te rappelle pourquoi tu le fais. Donc ça, c'est la première chose importante que je voulais partager avec vous. Il y a une éthique de la parole, il y a une éthique des moyens qu'on utilise pour communiquer et on ne peut pas manipuler les gens, on ne peut pas mentir aux gens, on ne peut pas dénigrer, humilier les gens, on ne peut pas se servir en fait de ces compétences-là pour causer du tort aux gens, pour soutirer d'eux des choses qu'ils n'aimeraient pas faire, qu'ils n'aimeraient pas dire ou qu'ils n'aimeraient pas être. Deuxième point, s'il y a une éthique de la parole, ça veut dire qu'il y a aussi une éthique du silence. Et ça, malheureusement, on le comprend très tardivement et on le comprend mal. S'il y a une éthique de la parole, il y a aussi une éthique du silence. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de parler tout le temps, on n'est pas obligé de s'exprimer sur tout. Et il y a parfois des situations où il vaut juste mieux se taire, en fait. Il faut juste mieux garder le silence parce que le silence en soi est une forme d'expression. On n'est pas obligé de s'exprimer sur tout. Et plus vous vous exprimez sur tout et n'importe quoi, moins votre parole va être crédible au bout du compte. On ne peut pas maîtriser tout, on ne peut pas savoir tout sur tout. Mais par contre, s'il y a un domaine dans lequel on a étudié, dans lequel on a travaillé, dans lequel on a développé une petite expérience, voilà, ça en soi, ça va apporter de la valeur à notre entourage, ça va nous permettre de les aider, de les accompagner, de leur filer des conseils utiles, plutôt que d'essayer de s'exprimer sur tout en espérant paraître savant. Et ce mot, c'est le fléau des réseaux sociaux, malheureusement. Ce mot, cette idée-là, elle porte un nom, ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme, c'est le fait de s'exprimer sur des choses que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde en fait contre ce type de comportement. Il y a un certain nombre d'injonctions religieuses, y compris dans le Coran, y compris dans les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de l'ensemble des croyants, d'être responsable de ce que l'on dit. D'accord? Ça veut dire que par défaut, la posture, elle devrait être une posture conservatrice, d'éviter de trop parler, d'éviter de trop s'exprimer sur des sujets que l'on n'a pas étudiés, sur des sujets que l'on n'a pas pris le temps d'analyser, sur lesquels on n'a pas pris le temps de prendre conseil, de valider en fait des idées, bien entendu de manière générale et a fortiori sur les questions religieuses. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point. S'il y a une éthique de la parole, il y a aussi une éthique du silence. Donc vous n'êtes pas obligé de vous exprimer sur tout et il y a des situations de la vie quotidienne où il vaut tout simplement mieux ne pas relever. On n'a pas besoin de répondre à ça, on n'a pas besoin de répondre à toutes les provocations. On n'a pas besoin d'étaler des choses que l'on sait ou des choses que, ou encore pire, des choses que l'on ne sait pas. Et il n'y a pas besoin de commenter
tout sur tout. Et très simplement, apprenez à développer la discipline de dire, oh, je suis désolé, merci beaucoup, mais sur cet aspect en particulier, sur ce sujet en particulier, j'ai pas forcément d'opinion. D'accord? Le troisième point, c'est la stratégie de communication. D'accord? Et en fait, souvent, les gens, ils ont un rapport à la parole où ils découvrent ce qu'ils disent en même temps que les gens qui les écoutent. Comme si au bout du compte, notre bouche, elle était un robinet, tu ouvres le robinet et tu ne sais même pas en fait ce qui va sortir de ta bouche. Et tu constates, et parfois tu dis les pires trucs, sauf qu'une fois que tu les as dit, tu ne peux pas les retirer, tu peux pas les retirer instantanément. Voilà pourquoi, avant d'avoir une conversation importante, que ce soit avec nos proches, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des personnes qu'on ne connaît même pas, peut-être qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on attend de la conversation. Parce que sinon, littéralement, il y a une expression en français, ça s'appelle parler pour ne rien dire. D'accord? Mais la différence entre s'exprimer avec un but précis, avec une intention claire, et s'exprimer sans avoir le moindre but, sans avoir la moindre intention, c'est la même différence qu'il y a entre la parole et le bruit. D'accord? Et donc, quand on essaie, par exemple, on a une discussion en couple, ou bien on essaie de donner une petite leçon ou de donner un conseil utile à ses enfants, ou de prendre l'avis de nos parents, ou d'avoir une discussion fraternelle avec notre entourage ou avec nos amis, c'est bien d'assumer une intention. D'accord? Les amis, je vous ai réunis aujourd'hui, ça fait plaisir de se voir et de partager un repas ensemble, mais j'aimerais vous demander votre avis parce que je prévois en fait de lancer une entreprise ou d'ouvrir un restaurant ou de lancer une marque de vêtements. Et vous qui êtes mes plus proches, j'aimerais avoir votre avis franc et sincère par rapport à tout ça. Donc le fait d'avoir un but dans la conversation, non seulement c'est plus honnête, et puis ensuite ça cadre les choses. En fait, ça fait que bien sûr qu'on va prendre des nouvelles les uns des autres et partager des blagues et partager des moments agréables et partager un repas ensemble et prendre des nouvelles de la famille, de la santé et tout ça, parce que ça fait partie de la bonne éthique et du bon comportement. Mais c'est aussi utile de dire, bah tiens, quand je rencontre mes amis, quand je rencontre des membres de ma famille, quand je rencontre des collègues ou des anciens collègues, on a le droit de leur dire, voilà, si je t'ai demandé rendez-vous pour déjeuner, c'est parce que, voilà, moi je prépare une candidature pour un poste important, et toi qui as eu l'occasion de travailler avec moi dans le passé, j'aimerais que tu me dises franchement quels sont les conseils que tu pourrais partager avec moi pour m'aider en fait à améliorer mon profil, à améliorer ma candidature et me donner les meilleures chances d'obtenir ce poste ou d'obtenir cette promotion ou d'obtenir cette bourse de recherche parce que après avoir mûrement réfléchi, c'est une voie vers laquelle j'aimerais m'orienter maintenant si Dieu me le permet. D'accord? Donc, le fait d'avoir une stratégie, c'est le fait d'anticiper l'intention que l'on a quand on s'exprime et quand on échange avec quelqu'un et la manière en fait dont on va réaliser cette intention. Par exemple, si on sait je vais prendre des exemples très, très concrets. Si on sait qu'on a un sujet très sérieux à aborder avec le papa ou avec le papa ou avec la maman, mais on sait que le papa ou la maman, on sait que parce qu'ils sont fatigués ou parce qu'ils ont énormément de responsabilités, ils n'ont pas énormément de patience pour les longs discours et vous êtes leur enfant, vous n'êtes pas dans une situation de leur donner des grandes leçons. D'accord? Mais par contre, poser des questions à papa et maman et leur demander de partager avec nous qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à telle question. Et puis ensuite, dans ce contexte-là, amener votre point de vue et leur fournir quelques arguments pour venir modérer leur point de vue, nuancer leur point de vue sur un sujet, ce sera beaucoup mieux reçu que si vous arrivez et vous dites, bah voilà, moi je pense que vous vous trompez sur toute la ligne et vous qui avez 30 ans de plus que moi, je vais vous expliquer je vais vous expliquer la vie. D'autres fois, la stratégie, c'est que vous n'êtes pas forcément la meilleure personne pour tenir ce discours et fournir ce conseil. Par exemple, et là je vous confie quelque chose de personnel, mon épouse, elle est X fois mieux placée pour avoir des conversations sérieuses et importantes avec mes parents que moi-même. Parce que comme elle est un tout petit peu plus âgée que moi, et comme ce n'est pas leur fille, même si c'est devenu au bout du compte leur fille, il y a des choses qui passent mieux quand c'est elle qui les aborde que quand c'est moi. Et pareil, moi, avec les parents de mon épouse, je sais que j'ai un canal particulier
j'ai une relation particulière avec mes beaux-parents, que Dieu les préserve. Il y a une telle confiance, il y a une telle affection entre nous maintenant, que je peux me permettre de parler comme si c'était mon oncle, comme si c'était mon père, dans la même relation de confiance, dans la même relation de partage et de complicité. Donc des fois, tu peux penser que, après réflexion, c'est mieux que ce soit ta sœur qui aborde un sujet, ou c'est mieux que ce soit ton frère, ou c'est mieux que ce soit ton père qui aborde un sujet. Et tu trouves que, au sein de l'équipe au travail, ou au sein de tes amis, ou au sein de la famille, peut-être que tu as la bonne idée, entre guillemets, mais peut-être que tu n'es pas la bonne personne pour transmettre le message, peut-être que tu n'es pas la bonne personne pour convaincre une autre ou pour convaincre l'équipe d'aller au bout d'aller au bout d'un projet. Et ça, tu peux y penser et tu peux arriver à cette conclusion que si tu as mené une réflexion pour définir quelle est la stratégie la plus utile. Et ça, au passage, ça te permet d'évaluer ton intention et la clarté de ton intention. Si ça peut être personne d'autre que toi qui a le droit de parler, si c'est obligé que ce soit toi qui t'exprime au nom de tous les autres, si c'est systématiquement toi qui te retrouves au milieu de la discussion, peut-être revois l'intention de ce point de vue-là et réévalue. Tu dois être indifférent à la reconnaissance qui en résulte. Au contraire, ça doit être quelque chose qui te met en garde et qui t'alerte du point de vue de la clarté de du point de vue de la clarté de ton intention. Donc véritablement, voir qu'est-ce qui va permettre d'atteindre l'objectif qui est réaliser un beau projet, rassembler la famille, partager un bon moment, encourager des jeunes à réussir dans leurs études ou à réussir dans leurs projets sportifs ou à réussir dans leur projet entrepreneurial ou autre. Rasséréner le cœur de nos aînés, de nos tontons, de nos tatas, de nos parents. Être reconnaissant vis-à-vis de nos enseignants, vis-à-vis de nos profs, vis-à-vis de nos associations, vis-à-vis de nos muallimettes et de nos imams et ainsi de suite. Si l'intention, c'est ça, et qu'elle est belle et qu'elle est magnifique, quelle est la stratégie qui va permettre de l'amener à bon port, de réaliser ça? D'accord? Donc ça, c'est le troisième point, avoir une stratégie de communication. Quatrième point, c'est dans les échanges interpersonnels. Trop souvent, en fait, on aime bien les débats, d'accord? Mais le débat, en fait, il suppose qu'il y a une personne qui est pour, il y a une personne qui est contre, et en fait, on est en train de confronter les points de vue. Et on surinvestit ça comme s'il y avait un résultat qui allait en ressortir. Par exemple, quand on parle de géopolitique au travail, à quoi ça sert exactement, en fait? À moins qu'on soit géopoliticien ou à moins qu'on soit diplomate ou on est chargé en fait d'une mission qui est spécifiquement sur ces sujets, à quoi ça sert d'utiliser la pause, d'accord, pour débattre de questions géopolitiques qui n'aboutiront à strictement rien? Dans le meilleur des cas, ça sert à rien. Dans le cas général, on peut même se froisser avec un collègue et tu peux être sûr que à la prochaine réunion ou au prochain projet, si on l'a froissé dans cette discussion, il va avoir un grief contre nous et sur un projet qui n'a rien à voir, que ce soit le choix d'un logo ou un projet informatique ou bien le développement d'un calcul ou d'une solution à l'hôpital ou autre, il va comme garder de la rancœur vis-à-vis de ça et ça va lui causer du tort, nous causer du tort et plus grave encore, causer du tort en fait aux gens qui sont censés bénéficier du projet. Donc, le bon comportement, c'est parfois d'éviter ce type de situation, d'accord, et de ne pas surinvestir les débats. Et en fait, ce que l'on a besoin d'avoir, plus que des débats avec nos proches, ce sont des échanges, d'accord? Des échanges, ce n'est pas la même chose que des débats. Donc, par exemple, il y a une sœur qui disait, voilà, avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, et est-ce que ça sert vraiment de débattre? La question, c'est quoi l'intention en fait? Si l'intention, c'est d'avoir un échange sincère et franc avec eux, ben, l'objectif, c'est pas de les humilier ou de les déprouver ou de leur montrer qu'ils sont dans l'errance totale et que c'est fini, il n'y a aucun espoir ou ainsi de suite. Peut-être que juste un échange où ben, on est assis côte à côte et on dit, ben, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Les questions de spiritualité, comment est-ce que tu en es venu à cette conviction quelque part que Dieu n'existe pas, puisque c'est la croyance ou l'incroyance que tu exprimes. Bah, moi, laisse-moi te partager aussi ma version et ma vision des choses. On se connaît suffisamment, on se respecte suffisamment, on s'apprécie suffisamment pour qu'on soit sincère l'un vis-à-vis de l'autre. Et crois-moi, si je te partage ça, c'est parce que quelque part, j'ai suffisamment d'affection pour toi pour vouloir le bien pour toi. Et comme ma foi, elle est ce qui donne du sens à ma vie, bah c'est quelque chose que j'aimerais partager avec toi, parce que c'est un geste d'amitié, c'est un geste d'affection vis-à-vis de toi.
plutôt que d'être dans une dialectique de ah, t'es à l'ouest et c'est moi qui ai raison, et ainsi de suite. Et en tant que croyant, bien entendu qu'on est convaincu d'avoir la bonne vision, la juste vision des choses. Mais si l'idée, c'est d'ouvrir son esprit, de lui permettre d'entamer un questionnement qui va aboutir potentiellement au fait de bah, trouver un sens, se poser des bonnes questions, avancer dans la bonne direction, à votre avis, c'est en l'humiliant que ça va marcher ou c'est en lui posant les bonnes questions que ça va marcher? C'est en lui montrant des signes de rejet et d'opposition que ça va marcher ou si c'est ou c'est en lui montrant des gestes sincères d'affection et d'amitié que l'on ressent vis-à-vis de lui ou d'elle, puisqu'on a grandi ensemble, et on a étudié ensemble et on a vécu ensemble dans le même quartier, dans le même immeuble ou autre. D'accord? Donc ça c'est quelque chose d'important à bien garder en tête. Être plus dans l'échange que dans le débat, mis à part si vous êtes porte-parole d'une cause importante, d'une entreprise importante, d'une association importante, et qu'il est véritablement nécessaire de déconstruire publiquement des positions qui sont très problématiques de la part, je sais pas moi, d'un élu ou d'une personnalité ou d'un commentateur. Mis à part si vous êtes dans cette situation de représentation publique où vous avez à déconstruire des points de vue, ben en fait, vous n'avez pas à être dans des débats. Vous avez besoin d'être dans des échanges avec les gens. Ce que vous voulez, au bout du compte, c'est aller dans le bon sens sans se séparer les uns les autres, sans s'humilier les uns les autres. Si tu veux que dans ton immeuble, on change de comportement et qu'on évolue dans la gestion de l'immeuble ou la propreté de l'immeuble ou la solidarité dans l'immeuble, peut-être que, au bout du compte, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de gentillesse, de courtoisie, de proximité. Mais, comme disait l'un d'entre vous dans les commentaires, l'échange n'est possible que si l'interlocuteur en face est disposé à échanger également. Ça veut dire que, pour qu'il y ait échange, ça va dans les deux sens. D'accord? Et ça veut dire que, bah, des fois, vous avez des gens qui sont fermés, et là, il faut juste pas s'acharner. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le silence ou le fait de laisser un débat de côté, c'est une réponse en soi. Quand il sera prêt, quand elle aura envie d'échanger sur les questions de sécurité dans le quartier, ou sur l'organisation du conseil d'école, ou sur la refonte informatique du service ou autre, quand ce sera le moment, t'inquiète pas, il saura où te trouver pour poser des questions, trouver une solution, échanger ensemble et avancer. D'accord? Ensuite, cinquième point que je voulais partager avec vous, c'est une technique véritablement, pour moi, c'est la plus efficace. Elle semble la plus anodine, mais pour moi, c'est la plus efficace. C'est la technique des questions, en fait. Donc souvent, quand on essaie de communiquer, d'accord, on essaie de communiquer et on essaie d'asséner ce que l'on pense être des vérités. On lui dit, bah, tiens, A, et puis il y a aussi B, et puis C, et ainsi de suite. Et la personne, elle est comme ça, elle reçoit des messages comme si c'était des flèches l'une après l'autre. Et nous, on pense en fait que c'est genre on est sur un ring de boxe ou bien on est en train d'asséner des mots comme si on assénait des coups et on pense que la personne, elle va recevoir ça et voir la vérité ou rejoindre notre point de vue à un moment donné de manière spontanée. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, l'une des idées qui est les plus efficaces, l'une des techniques qui est vraiment la plus utile, c'est la technique des questions, en fait. Et donc, au lieu d'être en train d'affirmer des choses, c'est plus utile de poser des questions. D'accord? Donc, je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, je donnais cours à des jeunes adultes. Ils sont en formation pour devenir développeurs ou travailler dans un secteur informatique. Et moi, je leur donne un cours de communication, de prise de parole et de stratégie. Et l'un des étudiants proposait qu'on supprime les retards pour pouvoir arriver en retard quand il veut. Et en gros, son argument principal, c'est de dire, ben voilà, si on veut responsabiliser les étudiants, il faut qu'ils viennent par choix plutôt que par obligation, avec le risque d'avoir une sanction s'ils sont en retard. D'accord? Donc, ça, c'est son argument. Donc, j'ai deux attitudes à avoir. L'option numéro un, c'est en tant qu'enseignant,
Je lui dis, ben voilà, ben non, la règle, c'est la règle, fin. Et là, quand tu poses ces questions, ça veut dire que tu remets en question la règle et que tu ne respectes pas l'institut. Si cet institut, il a été fondé avec ce règlement intérieur, c'est pour une bonne raison. Soit tu l'acceptes, soit tu laisses ta place à d'autres étudiants parce qu'il y a une liste d'attente très longue pour plusieurs années de gens qui souhaitent étudier à ta place. Ça, ce serait la logique et la démarche avec une argumentation lourde où à chaque fois tu ramènes en fait des injonctions morales, des injonctions de respect des règles, des injonctions de bon comportement, des injonctions de responsabilité. D'accord? Mais tu peux aussi lui poser des questions. Et c'est le choix que j'ai fait. Fait d'accord, si on supprime les retards, ça veut dire on supprime aussi les séances bénévoles de la part des enseignants qui vous filent un coup de main à côté. Ça veut dire on supprime aussi les coups de main quand quelqu'un n'a pas envie d'aider. Ça veut dire que tu veux être jugé juste sur tes résultats. Mais ça veut aussi dire que la note de fin d'année sur ton projet informatique, elle sera décisive sur l'obtention ou le rejet du diplôme, de la même manière que dans l'exemple que tu souhaites avoir dans le milieu professionnel. Si tu auras un projet qui est bâclé, tu pourras avoir toutes les excuses du monde, ton projet ne sera pas accepté ou ton projet ne sera pas payé, facturé comme tu souhaites qu'il le soit. Donc si tu veux la flexibilité des horaires, il va falloir que tu aies la responsabilité du résultat. Est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à assumer? Parce que si oui, moi je te fais une autorisation spéciale pour être en retard, mais tu peux être certain que je te jugerai uniquement sur le rendu final du projet que tu ramèneras à la fin de l'année. Et en fait, le simple fait de lui poser des questions, ça l'a amené en fait à aller au bout de sa réflexion et de dire, ah ouais, mais en fait, si on nous propose des horaires, en fait, c'est pour qu'on crée du lien entre les apprenants et qu'on crée du lien avec avec les enseignants, et qu'on apprenne au fur et à mesure à respecter un cadre, même si ce n'est pas spontanément le cadre qu'on aurait choisi. Et si demain, je dois travailler dans une association ou dans une entreprise ou avec des gens qui ont un rapport qui est différent au travail, ben, il va falloir que moi-même, j'ai un minimum de flexibilité et de respect des règles communes pour que ça se passe bien. Quand je suis tout seul et que je ne dépends que de moi-même pour l'accomplissement d'un projet. Je peux me lever quand je veux, me coucher quand je veux, travailler comme je veux et rendre quand je veux le projet. Mais si ce projet, il implique d'autres personnes, alors on doit se mettre d'accord sur des règles communes peut-être pour pouvoir avancer dans le bon sens. Et donc, vous voyez comment, en fait, sur la base de questions, en fait, on va éviter une dispute ou une polémique et on va éviter d'avoir à passer en force. Une autre idée, c'est par exemple, tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit, je sais pas moi, elle te dit, dans l'immeuble, on n'a pas le droit de laisser les poussettes en bas de l'immeuble. D'accord? Et toi, tu peux lui dire, ah oh non, mais pourquoi vous me dites ça? De quoi vous vous mêlez? Pourquoi est-ce que vous ne me laissez pas tranquille? Cette poussette, elle ne dérange pas, elle n'est même pas dans le passage. Et ainsi de suite. Tu pourrais avoir cette réponse et tu peux être sûr en fait que ça va cliver avec ta voisine. Et tu peux être sûr qu'à la première occasion, même si elle n'est pas dans son droit sur cette question spécifique, elle va essayer de te saquer sur autre chose. Ce n'est pas la bonne idée. Alors que si tu poses une simple question, merci beaucoup de votre recommandation. Est-ce que ça fait partie du règlement intérieur de l'immeuble? D'accord? Et là, elle va te dire, ben non, je ne sais pas. D'accord. Alors peut-être qu'on peut essayer de se mettre d'accord sur le fait que au moment où je dépose mes enfants, ou bien je reviens de la crèche, ou bien au moment où je monte les courses, peut-être que temporairement, on peut avoir une tolérance pour les poussettes, de la même manière que si vous avez besoin de stocker un meuble quelques heures, le temps qu'il soit livré ou monté dans les escaliers, ben, vous n'hésitez pas à le faire. Est-ce que ça vous conviendrait, madame? Et donc le simple fait de switcher à des questions et d'interroger en fait la personne, c'est plus à vous de vous justifier, mais c'est au contraire à la personne qui vous envoie une injonction ou qui entame une discussion de manière hostile, à elle de démontrer le bien-fondé de sa démarche. Donc voilà cinq conseils très pratiques pour éviter la plupart des disputes, pour se donner les meilleures chances de convaincre ses proches et d'avoir un échange fructueux avec eux, pour éviter de tenir une parole qui peut prêter à conséquence ou de dire des choses qui dépassent nos connaissances, et puis au fur et à mesure de comprendre que toutes les communications importantes nécessitent un temps de réflexion et une stratégie au préalable pour pouvoir se donner le meilleur résultat, parce qu'au bout du compte, si on s'exprime, c'est pour faire sens commun en fait, c'est pour pouvoir avoir
des compréhensions communes sur certains sujets, tisser des liens encore plus forts et surtout ne jamais perdre ses moyens face à une situation parce qu'on sait que dans nos sociétés modernes, la communication, elle est prépondérante et entre quelqu'un qui a raison sur le fond et quelqu'un qui a raison sur la forme, c'est systématiquement sur la forme que le débat va se jouer. D'accord? Donc il faut être capable de s'adapter à ces situations-là, de les gérer avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de patience et de comprendre qu'il y a bien une série de mots qui peut sortir de ma bouche et qui va résoudre un problème. Il faut que je formule juste la bonne intention, que j'ai la bonne réflexion et ensuite on signe. Voilà pour les conseils que je voulais partager avec vous. Bah, c'est juste 5 conseils. Là, je les ai tirés du cours dans la formation qu'on donne d'autodéfense intellectuelle et de pouvoir des mots. J'ai essayé de synthétiser juste une petite, petite fraction du cours pour vous, juste pour que vous ayez une idée de à quoi ça sert et comment est-ce que ça peut être utile dans votre vie au quotidien. Voilà. Marwan. Je ne sais pas comment. Alors, on va ouvrir les échanges. Donc, ceux qui souhaitent participer, vous avez juste appuyé sur la petite caméra, on mettra en priorité les personnes qui souhaitent monter. Donc, on reste sur le thème de ce soir, s'il vous plaît, qui est le pouvoir des mots. J'ai vu qu'il y avait des questions religieuses. Je rappelle, Marwan n'est pas un imam. Il est ingénieur en mathématiques de base et il a lancé sa formation en ligne d'autodéfense intellectuelle. C'est ça, Marwan, hein? Ouais, il y a plusieurs cours. Il y en a un sur la prise de parole et l'autodéfense intellectuelle. Il y en a un qui est sur tout ce qui est apprendre à apprendre pour bien se former, bien étudier, et même pour les adultes. Et puis, il y a un troisième module qui est déjà disponible, qui est tout ce qui est gestion du temps et organisation. Quand on est débordé entre X projets, les demandes de la famille, le travail ou autre, vraiment bien savoir s'organiser pour ne pas perdre de temps. Voilà. D'accord. Donc, en attendant vos demandes, moi j'avais une question. Oui, bien Donc, si sûr. vous voulez monter en live, il n'y a pas de souci, vous appuyez sur la petite caméra. On reste sur le thème de ce soir. J'ai vu qu'il y avait des questions à l'écrit, mais j'aimerais mettre les personnes qui souhaitent monter. Moi, je t'ai connu, Marwan, à la télé quand tu faisais des débats télévisés. Quelle posture tu adoptes quand tu arrives dans ce terrain-là? Parce que c'est des personnes qui mentent la plupart du temps, qui inventent des choses qui peuvent toucher ta personne. Comment tu fais pour garder ton calme et rétorquer toujours avec une finesse, un bon mot? Voilà, c'est ma question. Ouais. Alors plusieurs choses. D'abord, comme je le disais tout à l'heure sur l'intention de départ, le fait que je m'exprime plus pour moi-même, mais je m'exprime aussi pour des gens qui se retrouvent dans mes points de vue et qui n'ont pas forcément le luxe d'avoir accès à la parole publique, ça me met une pression. Une bonne pression et ça me dit tu peux pas nous taper le chemin en fait tu peux pas t'autoriser à craquer à flancher tu peux pas taper la honte à des frères et sœurs tu vois qui n'ont pas forcément l'accès à la parole publique et le minimum que tu puisses faire c'est te tenir de manière correcte être clair et convaincant dans tes explications parce que c'est pas quelque chose qui te concerne ça tu le dois à tous les gens en fait qui n'ont pas droit à la parole. Donc ça me met sous haute tension, mais je me rappelle à chaque fois en fait que c'est pour mes frères et sœurs que je le fais, c'est pour mes parents que je le fais, c'est pour mon épouse que je le fais et mes enfants, et surtout c'est pour plaire à mon Seigneur, parce qu'en définitive, tout le reste c'est de la conversation. Je voudrais juste dans ces occasions-là que quelque part dans mon cahier et dans mon livre, Allah subhanahu wa ta'ala me consigne que au moins pendant quelques années, au moins dans les opportunités que j'ai eues, j'ai essayé de formuler une bonne intention et de tenir une parole utile. Et ça me donne spontanément en fait tout le calme et le cadrage dont j'ai besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en général, je prépare en fonction du plateau qui a lieu ou en fonction de mes interlocuteurs ou des gens avec qui je vais débattre. J'anticipe une bonne partie des critiques qu'ils vont faire ou des choses sur lesquelles ils vont essayer de m'attaquer. Et puis ensuite, je prépare des arguments et des contre-arguments à chaque fois. Je ne copine pas, en fait, dans le milieu du spectacle ou du showbiz ou sur certains plateaux télé. Tu vois, les gens, en fait, ils ont un salon des invités et tout ce beau monde-là, en fait, qui se tire dessus à l'antenne, en fait, parfois, ces gens, ils sont en train de sympathiser ou de boire des coups ensemble ou de dîner ensemble. Et après, quand ils arrivent en plateau, ils font semblant, en fait, de se disputer. Sauf que pour moi, en fait, ce que je dis sur un plateau télé, ce n'est pas un sujet de conversation. Ça concerne et ça a un impact sur la vie des gens.
alors que pour vous, c'est juste un sujet de conversation. Mais ça aboutit à l'exclusion de personnes, ça aboutit à la stigmatisation de personnes, ça cause de la tristesse et de la souffrance à des milliers, voire à des millions de personnes. Et donc, du coup, en fait, ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et puis, le dernier truc, c'est, en fait, je me suis entraîné et je me suis formé, en fait. Donc, des fois, on rigole, on s'entraîne avec mon épouse, on fait des débats ou des jeux où c'est moi qui joue le raciste et c'est elle qui joue la défenseuse, ou bien c'est le contraire, ou bien on rigole, on fait chou-fleur contre Nutella, de sorte qu'au fur et à mesure, on développe un petit peu la répartie et la spontanéité pour pouvoir être rapide et pouvoir riposter ou répondre du tac au tac. Et ça fait que, en général, après, tu perds pas tes moyens. Il y a toujours des situations que tu ne contrôles pas. Sans émission, tu vas en avoir une où vraiment tu, y a des conditions que tu ne maîtrises pas ou que tu ne contrôles pas, quelque chose qui ne va pas aller au montage ou des invités qui n'étaient pas prévus, une dynamique de débat, tu vois, qui va être problématique ou autre. Mais si tu te prépares correctement, en moyenne, en général, ça se passe à peu près bien. Voilà. Et puis le dernier truc, je sais que je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais juste avant de rentrer en plateau, je fais une doua et je formule une bonne intention. Et après, quoi qu'il en sorte, je sais que j'ai fait les causes, je me suis préparé, j'ai étudié, j'ai planifié, j'ai essayé de concevoir une stratégie cohérente. J'ai formulé une intention, je m'en suis remis à Dieu. Le reste, c'est hors de mes mains, en fait. Et je le découvre comme vous le découvrez après, sur un plateau ou sur une émission par la suite. Voilà. Alors, on accueille quelqu'un. Salam alaikum. Alaykoum salam. Vous m'entendez? Alors, on t'écoute. On t'entend très bien. On t'écoute, mon frère. Super. Alors, salam alaykoum Marwan. En fait, Alaykoum salam. je crois que l'une des dernières émissions à laquelle tu as participé, c'était sur la une avec Ardisson. Tu te souviens, tu avais fait un débrief quelques jours après où tu avais dit, j'ai pas les mots exacts, mais en tout cas, tu trouvais que tu t'es fait pas avoir, mais en tout cas, bon. Tu aurais peut-être pas dû y aller, mais justement, tu vois, toi qui dis de te préparer avant, est-ce que déjà tu savais au préalable qui allait intervenir sur le plateau? Et déjà, est-ce que tu te souviens de ce moment? Ouais, je m'en souviens très bien. Et c'est un bon exemple que tu cites. Et rétrospectivement, j'aime bien y revenir et j'aime bien y réfléchir. Quand je disais que, tu vois, tu te prépares du mieux que tu peux, mais il y a des choses que tu ne maîtrises pas et qu'en moyenne, ça va bien se passer, mais tu auras forcément une conf où ça veut pas, ou bien un plateau où ça veut pas. Ça fait partie des rares occasions où véritablement, tu vois, ça voulait pas. Le plateau, il n'était pas configuré de la manière qui était prévue. Tu avais des chauffeurs de salle, tu vois, qui avaient reçu la consigne, tu vois, de faire applaudir des racistes qui étaient sur le plateau. Tu avais un humoriste musulman, tu vois, qui était sur le plateau. Ça a pas été gardé au montage, mais le seul moment où on lui a donné la parole, ce qu'il a trouvé à dire, c'est que lui, il aimait bien manger du porc et qu'il trouvait que, tu vois, genre, il valait mieux pas faire trop d'histoires sur les questions de racisme. Donc ça, par exemple, tu vois, c'est des trucs auxquels tu t'attends pas, tu le vois pas venir. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre du montage, où tu vas avoir en fait des extraits qui sont gardés, d'autres qui sont passés à la trappe, sur lesquels tu n'as pas la main. Mais tu sais que la meilleure chose que tu puisses faire après, c'est entre guillemets limiter la casse, donc ne pas dire des choses qui sont inconsidérées, même s'il y a les pires ignominies, tu vois, qui sont prononcées sur le plateau. Et puis surtout, a posteriori, en tirer les bonnes leçons, à savoir en l'occurrence, ne plus faire de plateau quand tu ne maîtrises pas parfaitement les conditions et que c'est pas en direct, parce que sinon, en fait, tu risques de te retrouver dans des guet-apens comme ça où tu as 5 personnes, 6 personnes et tu es tout seul sur le plateau. Tu vois? Donc, le plus important, en fait, dans ces moments-là, c'est genre, tu sais qu'il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de, entre guillemets, de victoire décisive, tu ne vas pas obtenir un résultat de dingue. Mais par contre, il faut pas que tu fasses de faute. Sinon, c'est là où véritablement ça va avoir un impact néfaste. Mais j'en ai tiré, tu vois, ces leçons-là. Et j'aimais bien parce que j'aime bien, en fait, systématiquement, que ce soit dans les études ou dans le travail ou bien dans les engagements publics, j'aime bien quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans un moment, en fait, tu vois, il me rappelle à l'ordre.
Il me dit, voilà, juste là, recheck l'intention et la préparation. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, bénil latara, depuis. Voilà. Baraklou, ok. Mais du coup, Tabarakallah. ouais, maintenant c'est bon. Parce que je sais pas, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, mais juste pour Avec juste, plaisir. il y a un truc qui me, tu vois, regarde par exemple, toi, parce que je me souviens, moi, il y avait un truc qui m'avait brusqué. En même temps, je me suis dit, c'est vrai que c'est technique de répondre à ça. Quand par exemple, on te dit, mais en fait, tu viens sur le plateau et tu te prends pour le représentant des musulmans, et moi, je suis en face de toi et j'ai peut-être la même confession que toi, et en fait, tu me représentes pas du tout. Mais moi, ça, ce que je vais dire, ça tient qu'à moi, mais quand je vois que tu te retrouves face à des sbires en quelque sorte, et que on te met au pied du mur, et en fait on te dit, mais tu enfin qu'est-ce que tu veux, quelle légitimité t'as toi, alors que tu es venu à la base parce que tu représentes quelque chose, tu es porteur de voix, je crois qu'en parallèle, je crois que tu étais encore au CCIF. Donc tu vois, j'ai trouvé ça technique. Je ne sais plus comment tu avais répondu, mais voilà, tu me En suis. fait, la question de la représentation, elle est risquée, elle est tendue pour deux raisons. Eux, ils t'attaquent là-dessus quand ils savent que, en fait, justement, au contraire, quelque part, pas parce que tu as du mérite personnel ou autre, mais juste tu dis quelque chose qui converge avec le sentiment majoritaire des musulmans. Or, eux, ils savent que. Ben voilà, tu essaies d'être un musulman sincère, tu essaies d'être un musulman cohérent, et qu'un musulman sincère et cohérent, il n'aime pas trop se mettre en avant, et il n'aime pas dire trop moi je représente ceci, moi je représente cela. Donc ils savent que ce bouton-là, dès qu'ils sont face à quelqu'un qui essaie d'être cohérent et sincère, c'est un bouton qui est facilement activable. Donc la manière dont je réponds à ça, c'est moi je m'exprime en mon nom. Au nom de l'association que je représente ou que je représentais à l'époque, et au nom des personnes qui se retrouvent dans mon point de vue. Mais vous ne seriez pas en train de dire ça si vous n'étiez pas en panique du fait que, justement, ce discours que je porte, d'accord, fait bouger les lignes, représente l'opinion majoritaire d'un certain nombre de personnes parmi les musulmans. Et c'est ça qui crée un sentiment de panique à chaque fois qu'un noir ou un arabe s'exprime librement dans ce pays. Donc tu peux y répondre comme ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, là en l'occurrence, tu peux avoir un impact sur quelques personnes. Tu peux gérer 3, 4 personnes. Mais si tu dois gérer 5, 6 personnes en plateau, plus les mecs du montage, plus les chauffeurs de salle, tu vois, qui vont dans le sens inverse, plus l'animateur, tu vois, qui est clairement en train d'essayer de faire un guet-apens, là, la seule chose que tu peux limiter, à la limite, c'est genre, on limite la casse, on gère ça correctement, proprement, et t'inquiète pas, il y aura 25 000 occasions, tu vois, de faire les choses sur le moyen terme. Et c'est ce qui s'est passé. Les personnes, tu vois, qui m'ont attaqué sur le plateau, il y en a une qui a dégagé politiquement, qui est à l'ouest, et l'autre maintenant qui est chroniqueuse sur une chaîne d'extrême droite. Donc, tu vois, 5 ans plus tard, Ouais. on en est là, et Allah subhanahu wa ta'ala, en temps voulu, tu vois, genre, les causes, elles sont faites, et ça sort du bon sens. Voilà. Formidable, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, je t'en Bon prie. courage à toi. Salam À alaikum. toi aussi. Salam alaikum. Salam. Alors, je rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver, vous pouvez monter en live pour échanger sur le thème de ce soir, le pouvoir des mots. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes. On va prendre une question à l'écrit, Marwan. Comment répondre à une personne qui nous manque de respect et par-dessus dit que c'est nous qui interprétons mal les propos? Alors, ça dépend des contextes véritablement, ça dépend de la personne. Si par exemple c'est quelqu'un qui est de notre entourage le plus immédiat, je parle des proches, des collègues quotidiens, bref, des gens qui font partie de notre vie. Notre intérêt dans ces situations-là, c'est vraiment d'apaiser, de résoudre le problème plutôt que de cristalliser ce conflit. Donc, quand tu dis ça, pourquoi est-ce que tu as dit ça? Quelle était ton intention derrière? Est-ce que tu peux entendre que moi, quand tu dis ça, je me sens humilié? Et tu expliques le concept de pourquoi tu te sens humilié. Parce que, ben voilà, tu as parlé, en fait, tu as fait une pauvre vanne sur le fait que je mange tel plat qui est un plat populaire. Sache que dans ma famille, en fait, on vient effectivement de la pauvreté, on vient effectivement d'une situation qui était malheureuse. Mais si mes parents, ils ont dû fuir cette pauvreté-là, c'était pas par luxe, c'était par instinct de survie pour leurs enfants. Donc quand tu appuies sur ce bouton, même pour une vanne, je me sens humilié. D'accord? Est-ce que tu es capable d'entendre ça?
Est-ce que tu es capable de comprendre ça? De la même manière que si je me moquais de ton physique ou si je me moquais du fait que je sais par ailleurs qu'il y a eu de la violence au sein de ta famille, tu comprendrais que même pour rigoler ou même dans le cadre d'un désaccord, c'est quelque chose qui est indigne, qui serait indigne de ma part, qui serait humiliant. Donc en fait, le fait d'utiliser des questions pour faire appel à l'empathie de la personne et l'amener à se décentrer et à entrevoir ta position à toi, ton ressenti à toi, c'est la meilleure façon de véritablement bah, lui faire prendre conscience et l'amener à peut-être se remettre en question de ce point de vue-là. Après, quand c'est dans le cadre du travail et que ça se passe, là, il ne faut pas laisser passer ce genre d'incident. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Si tu penses ça, n'oublie pas de me l'envoyer par email. D'accord? Si tu assumes et si tu penses véritablement ce que tu as dit, n'hésite pas à me l'envoyer par email ou n'hésite pas à en faire part lors de la prochaine réunion. Comme ça, on pourra débriefer, tu vois, si c'est bien fondé ou pas. Pour que la personne, en fait, elle comprenne que là, elle a franchi, en fait, une espèce de ligne rouge qui est de manquer de respect, qui est déconsidérée et qui est, au bout du compte, un peu inacceptable dans le contexte du travail, comme par ailleurs. Mais faites attention parce que des fois, vous êtes en situation vulnérable parce que soit vous avez un contrat précaire, soit parce que vous faites partie, vous êtes une femme dans une entreprise où les sœurs ne sont pas forcément respectées, ou bien vous êtes de telle origine ou de telle religion, et ça vous met en situation minoritaire au sein de l'entreprise ou position vulnérable. Dans ces cas-là, parfois, il vaut mieux que ce soit un autre collègue qui intervienne, ou bien la RH qui intervienne, ou bien quelqu'un qui est un peu plus gradé dans l'entreprise qui intervienne, pour pas que même avec une intention légitime et une situation d'injustice claire et manifeste, ça se retourne au bout du compte comme contre vous, parce que vous aurez eu, entre guillemets, l'innocence de le déclarer ou de le reprocher trop explicitement et trop tôt. Voilà. Donc, les bonnes personnes, entre guillemets, et les personnes proches, d'essayer de leur faire prendre conscience que ben voilà, ça vous cause du tort et ces mots-là ont un impact, et d'essayer de prendre un exemple qui, pour eux, serait véritablement réceptif. Et puis les personnes qui sont juste du deuxième cercle, qui sont pas forcément des très proches, à eux, on peut faire un recadrage ferme et courtois. Parce qu'il ne faut pas laisser passer ce type d'incident. Quant aux gens qui disent une moquerie et puis après qui disent je rigole, il faut leur expliquer que ce qui est drôle pour eux ne l'est pas forcément et qu'il y a une différence entre rire avec quelqu'un et rire contre quelqu'un. Et en général, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Et par contre, ça, je vous le dis pour ceux d'entre vous qui sont parents ou qui travaillent avec des jeunes, sincèrement, il faut décomplexer, il faut libérer en fait entre guillemets, libérer la rigolade, apprendre à vanner en fait. Moi, le truc que j'apprends à mes enfants, c'est vraiment à être capable de répliquer, de rétorquer juste avec des mots. Et quand après, tu vois, genre, tu dis, ben voilà, si je te disais ça, qu'est-ce que tu en penses? Et quand tu touches la personne, tu dis, tu vois ce que ça fait? Ben voilà pourquoi il faut pas rire contre les gens et il faut essayer de rire de manière modérée avec les gens et pour quelque chose qui le mérite, quelque chose qui est positif et qui nous permet de décompresser plutôt que quelque chose qui humilie et qui fait souffrir. Et c'est pas à toi de dire ce qui m'humilie et ce qui me fait souffrir, c'est à moi de dire ce qui me touche et ce qui me cause du tort. Et si t'es pas capable d'entendre ça veut dire que peut-être on n'a pas la bonne compréhension commune de ce qu'est l'amitié et de ce qu'est le respect minimal dû à la personne. Voilà. Alors, il y a une demande. Voilà, alors, salam alaikum. Salam alaikum. Vous m'entendez? Alors, on t'écoute, ma soeur. Ouais. Oui, merci. Alors, en fait, moi, j'ai un souci qui est assez récurrent dans le milieu professionnel. C'est que, en fait, j'ai dans ma démarche d'essayer de m'intégrer dans l'équipe, je pense que je dois avoir un discours maladroit, tellement je suis mal à l'aise, qui fait que finalement, ça a le résultat inverse, où je vais être marginalisée. Et quand je vais essayer justement de m'en sortir, ça va encore plus empirer la chose. Donc, je me retrouve même visée. J'ai même subi du harcèlement, de l'acharnement dans une boîte où je suis restée 13 ans. Et je sais que ça vient de ma manière de parler,
peut-être des expressions de mon visage, je suppose, mais je ne sais pas du tout comment changer ça, comment améliorer ça, comment, par quel canal de communication passer en fait pour avoir le juste milieu, m'intégrer tout en discrétion. Okay. Alors, vite fait, il y a un module spécifiquement là-dessus, en fait, dans l'un des cours sur la plateforme. Mais en général, je dis que dans le travail, il faut garder ce que j'appelle une distance courtoise. Des fois, on a envie d'être trop sympa, trop gentil, trop friendly. On se dit que, en fait, on va travailler ensemble pendant des années, autant être amis. Mais au bout du compte, l'amitié, ce n'est pas quelque chose qui doit se donner facilement. Donc, on a mieux fait, en fait, d'être ultra respectueux, ultra courtois, mais de maintenir en fait un minimum de distance pour éviter que les gens s'autorisent un certain type de remarques et un certain type de familiarité qui, au bout du compte, au fur et à mesure, va causer du tort à la personne des deux qui est la plus vulnérable, que ce soit au sens affectif, personnel, comme au sens de sa position dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand tu te fais harceler dans le cadre du travail ou qu'on manque à ta considération et on t'humilie et on te manque de respect, c'est pas de ta faute, ma soeur. Sauf si véritablement toi, tu as dépassé une ligne et tu as manqué de respect à quelqu'un dans le travail. Là, on en parle et ça se résout. Mais je veux pas que vous intériorisiez que, bah tiens, si quelqu'un nous humilie, nous harcèle, et qu'au bout du compte, ça se passe très mal dans l'entreprise, c'est certainement qu'on a dû avoir la mauvaise expression de visage ou le mauvais ton quand on s'adresse à eux. Si, comme tu le décris, effectivement, quand tu arrives dans une équipe, tu as une manière de te présenter ou tu as une manière, tu vois, d'interagir avec les autres qui peut les crisper ou qui peut les froisser, ça peut être quelque chose où tu peux l'aborder en fait avec l'un des collègues tu vois, qui te l'aurait exprimé. D'accord. Alors sache que ce que tu me dis, je le prends avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute. Est-ce que tu pourrais juste me donner, s'il te plaît, une situation concrète où tu as eu ce sentiment que je t'appréciais pas, ou bien je te respectais pas, ou bien je t'ai dit quelque chose ou formulé quelque chose d'une manière que tu as mal reçue. Ça m'aiderait justement à en prendre conscience et peut-être à faire un petit effort là-dessus. Et là, justement, la personne, en fait, elle va te dire s'il y a vraiment quelque chose, elle te le dira à ce moment-là. Si c'est juste une impression générale, elle la relativisera à ce moment-là. D'accord? Et ça la changera. Et la dernière recommandation que je voulais vous faire, c'est la technique des questions que j'évoquais tout à l'heure. Elle est aussi utilisable dans un Oui. contexte très amical. Par exemple, tu n'es pas obligé d'utiliser la question pour tourner la personne en bourrique ou pour lui faire réaliser qu'elle est dans une position erronée. Tu peux l'utiliser de la manière la plus bienveillante du monde pour justement montrer que, en fait, tu t'intéresses à quelqu'un. Et tu respectes cette personne et tu veux établir un lien avec elle. Les gens, ils aiment bien partager, en fait. Ils aiment bien dire quelque chose à propos d'eux. Ils aiment bien exprimer leurs sentiments. Donc, si tu veux savoir comment interagir avec quelqu'un, personnellement, je garderai la petite distance courtoise. Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu prends des nouvelles de temps en temps, tu vois, de la famille. Est-ce que ça a été ton week-end? Est-ce que les vacances, c'était bien? Et puis ensuite, tu vois, quand tu as envie de créer un lien un peu plus marqué avec quelqu'un, tu dis, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce projet, par exemple, en évoquant un projet professionnel, et tu l'écoutes d'une manière où tu donnes de l'importance à ce qu'il dit. Tu écoutes et tu reformules. D'accord, donc si je t'ai bien compris, tu penses qu'il vaudrait mieux passer par ces trois phases-là pour se donner les meilleures chances d'accomplir le projet. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu essayais de dire? Et là, en fait, la personne, elle va se sentir vraiment comprise, vraiment écoutée, et à travers question, confirmation, en fait, là, la confiance, elle se crée, et tu auras un vrai rapport de travail avec tes collègues, et eux, ils se diront, ah ben tiens, telle personne, c'est quelqu'un qui comprend très bien ma manière de travailler et ma manière d'être. Voilà, j'espère que ça te sera utile, et juste, par défaut, si tu hésites entre est-ce que je dis ça ou est-ce que je le dis pas, si tu hésites, le dis pas. Tu vois? Et comme ça, tu Oui, prends pas le risque supplémentaire. le souci, il est là. Je pense qu'il faut que faut que je fasse abstraction de mes opinions, de ma vie personnelle, et que je sois juste lisse, que je reste en surface avec les gens
et que je sois à l'écoute. En fait, je me rends compte que c'est ça. À partir du moment où j'exprime une opinion, où je parle de moi, c'est là que ça commence à coincer. Mais en même temps, quand on passe beaucoup de temps dans une entreprise, on est obligé de donner son avis sur les sujets même professionnels. Sur les sujets professionnels. Sur les sujets Ouais. professionnels. Quand. Oui, moi, je suis quelqu'un de toute façon qui fait vraiment, qui met une barrière bien épaisse entre le professionnel et le personnel. Je ne mélange pas les deux. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je vais donner mon opinion sur n'importe quel sujet, c'est là que je me rends compte que dans ma façon peut-être de le dire, il y a une différence entre ce que je pense et ce qui est interprété en face. Ok. Alors, et je terminerai là-dessus. Alors, quand je vous dis maintenez une distance courtoise, ça ne veut pas dire d'être des frigos avec vos collègues, mais ça veut juste dire que je suis capable de faire la différence entre les sujets qui sont pertinents à aborder dans le cadre du travail et les choses qui n'apportent strictement rien dans le cadre du travail. Et quand il y a des sujets dont je sais que mon opinion n'est pas consensuelle dans le cadre du travail, soit je prépare à l'avance ce que je vais dire en anticipant un petit peu comment ça pourrait être reçu, comment ça pourrait être perçu. Soit en fait, j'utilise la technique des questions en poussant la personne à aller étayer son raisonnement, à développer son raisonnement jusqu'au point où soit toi tu vas réaliser que effectivement j'avais pas vu cet élément, mais elle a bien raison de défendre A alors que moi initialement je pensais B. Ou bien tu vas dire ok, donc là maintenant qu'on a tiré ça, est-ce que ce ne serait pas plus pertinent d'adopter le point B plutôt que A? Et tu ne passeras pas pour la fille qui force et qui essaie absolument, tu vois, d'imposer son point de vue. Et dans le doute, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, genre, c'est mieux d'être conservatrice et de dire, voilà, moi, je n'ai pas besoin de, tu vois, entre guillemets, passez-moi l'expression, ce n'est pas l'entreprise à ma mère. C'est pas, tu vois, genre, c'est pas la fin du monde si mon point de vue il est pas celui qui est adopté à la fin. J'ai exprimé ou j'ai essayé de faire prendre conscience qu'on n'était pas forcément sur la bonne trajectoire et la bonne stratégie. Une fois que je l'ai dit et que j'ai essayé de le faire de la bonne façon, le reste, ça a été décidé. Il n'y a pas de problème, on est équipé en avance. Voilà. Ok. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Alors, on a plusieurs demandes. Ouais. Bismillah. Donc, reste sur le thème de ce soir, s'il vous plaît. Pas de questions religieuses ce soir. Pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions religieuses, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram Milieu Islam. Le lien, il est en bio. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Salam Alaykoum salam wa rahmatoullah. Voilà, moi j'aurais une question s'il vous plaît par rapport au pouvoir des mots. Ouais. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, quand je les rencontre, en fait, ils ont un discours, mais derrière le discours, en fait, dans le silence, ils disent des choses, mais pas avec leurs mots. En fait, c'est la voix du cœur. Et moi, ma question, c'est comment en fait apprendre à mieux écouter cette voix, à mieux la déchiffrer pour mieux servir les autres et mieux communiquer avec eux, en fait. Des fois, en fait, par exemple, aujourd'hui, à la mosquée, il y avait quelqu'un qui est venu me parler et tout par rapport au cours. Mais en fait, ce qu'il disait derrière, c'était plus de la frustration. Il essayait de se comparer avec moi et tout. Mais en fait, en fait, il y avait un peu de rivalité entre nous. Et moi, je ne l'avais pas compris au début. Donc, j'ai mal réagi en fait vis-à-vis de ça. Et ma question, en fait, c'est ça, comment mieux entendre cette voix pour mieux servir les autres? Ok. Alors, des fois, il n'y a rien de besoin de dire, il y a juste besoin d'écouter, en fait. Des fois, tu vois, on pense que c'est ce qui va sortir de notre bouche, tu vois, qui va résoudre un problème ou qui va changer une perception, alors qu'en vérité, c'est ce qui va pas sortir de notre bouche, mais plutôt ce qui va rentrer dans notre oreille. Des fois, tu as juste besoin d'écouter en fait ce que les gens ils ont à te dire. Tu vas être surpris. Parfois, les gens, quand ils ont, je sais pas, par exemple, sur l'exemple que tu citais, si quelqu'un a besoin de se comparer à toi pour se faire valoir, peut-être que juste lui, il a besoin d'être rassuré vis-à-vis de lui-même. Et tu sais comment c'est avec certains d'entre nous. On a besoin parfois de se comparer à d'autres pour s'évaluer soi-même. C'est pour ça, souvent en formation, je dis, et c'est pas d'être meilleur que les autres, et c'est d'être meilleur que toi-même.
Et déjà, si tu arrives à faire ça et à progresser tranquillement, pas à pas, que ce soit dans tes apprentissages, dans ton comportement, dans ta compréhension du monde, déjà, tu seras au max, mashallah, tu seras au top. Après, des fois, moi, je me suis rendu compte, je faisais souvent cette faute. Je me disais, j'ai tellement étudié, j'ai tellement creusé ce sujet. Franchement, tu vois, au moment des commentaires lors des confs ou au moment des questions-réponses dans certaines rencontres, tu vois, j'écoutais, mais j'écoutais pas d'une manière ultra attentive parce que parfois j'étais très fatigué. J'ai fait 3, 4, 5 conférences dans le week-end. C'est dur, tu vois, à la cinquième d'être aussi réceptif qu'à la première fois. Mais après, je me suis rendu compte que, tu vois, les frères ou les sœurs, des fois, qui ont des aspérités de langage ou qui haussent le ton un petit peu ou qui disent les choses d'une manière qui est apparemment incohérente, en fait, là, tu devrais écouter super bien et de manière très attentive parce que des fois, tu vois, ils te disent des choses. Ils te disent des choses, comme tu disais, tu vois, qui viennent de leur cœur et qui n'ont pas forcément les bons mots pour exprimer. Mais peut-être que ça, tu vas le prendre et y réfléchir un peu plus tard. Et je vous prends un exemple juste très, très concret. Une fois, je donnais une conférence à la, vous savez, la rencontre annuelle du Bourget quand elle avait encore lieu. Et c'est dans la salle principale et il y a énormément de monde. Et moi, comprenez-moi bien, je ne le dis pas de manière péjorative. Mais dès que je finis une conférence, le seul truc auquel je pense, c'est rentrer à la maison, retrouver ma famille. J'ai terminé le travail, je veux juste retrouver ma femme et mes enfants après les avoir laissés pendant quelques jours. Donc, je réponds aux gens à la sortie du plateau, mais il y a pas mal de monde et il y a un papa, j'ai dû avoir 60, 70 ans, et il m'attrape et il me dit, il m'attrape fort et il me dit, dis-leur aux jeunes, dis-leur aux jeunes. Je dis, qu'est-ce que tu veux que, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Dis-leur, tu vois, d'être libre, parce que nous, Allah, on est né pendant la colonisation, et la colonisation, elle est dans nos têtes, mais peut-être que pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est pas obligé d'être pareil. Et sur le coup, j'ai dit, ouais, merci, c'est gentil, merci de m'avoir partagé ton commentaire. Et c'est beaucoup plus tard, en fait, quelques mois plus tard, même quelques années plus tard, où je suis revenu sur ce qu'il m'avait dit et sur pourquoi il me l'avait dit et pourquoi c'était si important pour lui. Et ce qu'il évoquait, en fait, c'est un concept que Malek Ben Nabi, le penseur algérien, avait développé en son temps, qui s'appelle le concept de colonisabilité. À savoir que pour pouvoir être en situation de vulnérabilité politique vis-à-vis d'un pouvoir conquérant ou d'un pouvoir hégémonique, il faut que nous-mêmes, on soit fragiles ou qu'on ait intériorisé la fragilité et la précarité de notre statut. Or ça, quand tu as grandi conditionné avec ça, c'est très difficile de s'en libérer, alors que pour les jeunes et pour les plus jeunes encore, ils n'ont pas nécessairement grandi avec ça. Et il faut que nous, dans l'éducation qu'on leur donne et dans les valeurs qu'on leur transmette, on leur transmette aussi cette liberté de l'esprit, cette liberté du cœur. Voilà ce que Amil Hajj il voulait dire. Et voilà ce à côté de quoi je serais passé si je n'avais pas juste tendu l'oreille pendant ces quelques secondes, et ça m'a guidé ensuite dans le fait de me concentrer véritablement sur un travail d'éducation dont ces formations, en fait, elles font partie au bout du compte. Voilà. D'accord, merci. Je t'en prie. Salam Alaykoum salam. Alors, dis-moi, pour combien de personnes, Marwan? Parce qu'il y a du monde. Hein. Ouais, on fait 3-4 personnes, je pense. D'accord. De toute façon, tu vois, des lives comme ça, si ces problématiques elles vous intéressent vraiment, on pourra en faire de temps en temps. Mais l'essentiel de ce qu'on a traité, c'est des sujets que vous pouvez creuser. J'en profite pour répondre juste à une question qui était passée dans les commentaires. Il y a une sœur qui demandait si les formations elles sont adaptées à un jeune de 14 ans. En fait, nous, on les a conçues. En gros, l'âge minimum, à mon sens, ça va être 12-13 ans. D'accord? Mais en dehors de ça, il n'y a pas de prérequis et on les a conçus pour que un père ou une mère de famille qui est à la maison puisse les suivre, quelqu'un qui est cadre dans le milieu professionnel puisse le suivre, quelqu'un qui est étudiant puisse le suivre, quelqu'un qui n'a pas forcément des grosses connaissances puisse le suivre et en même temps en tirer bénéfice. Le seul conseil que je vous donne, c'est si vous prenez la formation et que vous donnez accès à votre enfant, veillez à ce que vous contrôliez le temps qui est passé sur les cours, qu'il ne soit pas en train de regarder une vidéo après l'autre, un cours après l'autre, et essayez de discuter avec lui pour veiller à ce qu'il tire vraiment bénéfice de ce qu'il a suivi et que ce ne soit pas juste de la consommation de vidéos. Voilà.
Assalamu Alaykoum salam. alaikum. Alors, on t'écoute, ma sœur. Alors, bah en fait, je vous remercie déjà pour le thème parce que je trouve qu'il est super intéressant. Donc, en fait, on me reproche souvent au travail d'être trop directive. Et en fait, mais je ne m'en rends pas compte. Et en fait, je voudrais des conseils pour essayer d'éviter de l'être, car moi-même, en fait, je ne le ressens pas. Ok, alors je suis désolé, j'ai pas envie de réfléchir vers la formation, mais il y a un module et il y a un cours spécifiquement là-dessus. Mais je te le fais vraiment en résumé, en flash. D'abord, il faut être conscient du fait que ta personnalité ou la manière, tu vois, dont tu t'exprimes, elle va construire une vision, tu vois, chez tes collègues, ou par exemple, si toi, tu es sûr de toi, ce qui est très bien, tu vois, genre. Tu travailles dur, tu essaies d'être correct et intègre et tout ça. C'est très bien que tu sois sûr de toi quand tu as pris le temps au préalable de te forger une opinion bien construite. En fait, quand quelqu'un est sûr de lui, si c'est une femme, on a tendance à dire qu'elle est plus arrogante que nécessaire. Si c'est quelqu'un, tu vois, qui est d'une minorité religieuse ou de telle couleur de peau, on va dire qu'il est en train de se vanter ou de se mettre en avant, alors que lui, il est juste normal. Mais c'est des choses que tu dois garder en tête. Exactement. Ensuite, sur la manière de, tu Exactement. vois, par exemple, si tu es en situation de responsabilité de l'équipe, peut-être que une manière de faire, c'est de formuler les choses d'une façon à ce qu'elles soient reçues comme si c'était un peu plus collaboratif. Donc, par exemple, tu vois, en réunion, on attribue les tâches et on dit, bah tiens, Kalim, je te propose de prendre ce bloc de tâches. Noémie, tiens, je te propose de prendre cette partie-là. Est-ce que ce serait faisable pour vous qu'on se mette d'accord sur une deadline, tu vois, d'ici la fin de la semaine ou d'ici la quinzaine de jours? Et au lieu de dire Noémie, tu vas faire ça, Kalim, tu vas faire ça, Marc, tu vas faire ça, en fait, tu le formules d'une manière où c'est collaboratif. Et si la personne, elle te dit ouais, mais en fait, non, j'ai pas envie de le faire. Là, par contre, tu switches tu utilises la technique des questions et tu dis, d'accord, est-ce que tu as d'autres priorités là qui sont prévues pour la semaine? Et tu obliges la personne, en fait, à justifier pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas prendre en charge la tâche que tu lui as proposée. D'accord? Donc, tu as cette technique-là. Et après, en fait, il faut que tu trouves ton mode de management. Par exemple, moi, quand je suis au sein d'une équipe dont ce n'est pas moi qui ai la responsabilité, j'aime trop quand on me donne des instructions claires. Ça veut dire, toi, tu serais ma boss idéale, en fait. C'est-à-dire, quand on me dit, Marouane, fais ça, ça et ça, moi, tu vois, je suis au plafond, ça y est. Je suis trop content, je sais exactement ce que j'ai à faire. Je switch la partie décisionnelle de mon cerveau et j'exécute méthodiquement, soigneusement les tâches qui me sont demandées. Si par contre, c'est moi qui manage l'équipe ou qui anime l'équipe, je sais que j'ai le besoin que tout le monde comprenne bien l'objectif, qu'on se mette bien d'accord. On se consulte les uns les autres dans toute la réflexion et la prise de décision. Et après, bim, on se répartit des tâches et on charbonne. Mais je sais que, en fait, mon fonctionnement au sein de l'équipe, c'est d'être partie prenante et pas dans un rôle vertical où je distribue des instructions les uns aux autres. Et puis, il y a d'autres équipes où, en fait, tu vois, le manager ou bien la manageuse, tu vois, elle est devenue responsable de l'équipe. Parce que c'est elle la plus technique, en fait. C'est elle la plus forte en code, c'est elle la plus forte en cuisine, c'est elle la plus forte, tu vois, en maths ou en écriture ou autre. Et donc, en fait, sa légitimité technique, elle est plus à démontrer. Et du coup, le management qu'elle adopte, c'est un management, tu vois, de dire, tiens, je t'explique, je vais te montrer, je vais t'accompagner pour que toi aussi, tu progresses, tu vois, dans tes tâches. Donc, quand tu as des gens, tu vois, qui se crispent, tu vois, formulent les choses d'une manière où ils ont le sentiment d'être un petit peu associés à la répartition des tâches. Et si tu vois que quelque part, il y en a un ou une qui essaie d'esquiver, ou tu vois, on dit l'expression, c'est téflonner, c'est-à-dire, tiens, la tâche, elle arrive, et comme du téflon, tu vois, elle glisse sur eux, là, tu utilises la technique des questions pour les mettre dans leur retranchement et qu'ils soient obligés de justifier, s'il y a une raison objective et légitime, qui justifie qu'ils ne fassent pas la tâche en question. Voilà. Je pense que c'est bien plus profond que ça, en fait, honnêtement, parce que je travaille déjà dans ce que tu dis. En fait, il y a de la co-construction, il y a travailler ensemble, il y a le collaboratif, il y a toutes ces notions, et j'y suis déjà. Mais en fait, comment dire,
Sinon, tu les vires tous. J'aimerais bien. Ah non, mais non! Mais je crois que c'est moi qui vais partir au bout d'un moment. Non, 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 décide pas, décide pas, décide pas, décide pas comme ça. Mais juste, si, tu vois, il y a aussi un Et truc. honnêtement, je vais aller plus loin. Attendez, je vais juste terminer ma réflexion parce que, comment Je dire, t'en prie. j'ai passé un entretien il n'y a pas longtemps pour pareil, pour changer, c'était pareil pour, je suis manager, mais c'était pour monter en grade. Et c'est marrant, mais lors de mon entretien, on m'a ressorti exactement la même chose. Et c'était pendant un entretien d'une heure. Bon, il m'a cuisiné. Je sais pas si enfin, j'étais mauvaise, je trouve, parce que ce qui est ressorti, c'est de la directivité, c'est de la, comment dire, c'est d'être un peu ce que tu disais avant, parce que je pense que quand j'ai une idée, je pense que je vais aller jusqu'au bout. Et en fait, soit c'est apprécié, soit c'est pas apprécié. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça passe pas, en fait. Et du coup, je suis bloquée et j'ai l'impression que je suis comme dans une voie de. C'est comme dans une voie de garage où je peux plus progresser, où j'arrive plus à, comment dire, j'arrive plus à m'épanouir et c'est vraiment compliqué. Alors, si tu penses, et bon, et je terminerai là-dessus. Si tu penses que tu vois, genre, par ailleurs, les personnes avec qui tu travailles, elles sont relativement intègres, mais il y a ce problème, tu vois, de communication entre vous et de répartition, de distribution des tâches. Peut-être que c'est quelque chose que tu peux aborder, que ce soit dans l'entretien annuel ou que ce soit dans les réunions d'évaluation ou de suivi. Tu vois, tu peux. Si vraiment, tu vois, il y a cette crispation et ce blocage, tu dis, voilà, bon, je comprends que, en fait, dans ma répartition des tâches et dans ma distribution des tâches, il y a certains d'entre vous qui ont eu le sentiment que, en fait, j'étais juste là pour donner des injonctions et être directive et tout ça. Et je voudrais qu'on en parle et je voudrais avoir votre sentiment. Je voudrais que vous me fassiez un retour là-dessus pour qu'on essaie de trouver un mode de travail ensemble où ça se passe mieux et qu'on aille dans le bon sens. Parce que j'imagine qu'on a tous envie de continuer notre travail dans les meilleures conditions et que ça bénéficie à personne, ni à nous individuellement, ni à l'équipe, ni au projet d'entreprise auquel on participe. Et là, tu les laisses s'exprimer. Quand tu les laisses s'exprimer, véritablement, cette parole, elle doit être libre. Et toi, à la fin, tu dois prendre quelques notes et un petit peu reformuler ce qu'ils ont dit pour montrer que, en fait, tu as bien compris et tu as bien reçu le message. Et là, tu leur proposes un mode opératoire. D'accord. Est-ce que dorénavant, vous souhaitez que, ben voilà, on se répartisse les tâches et chacun prend un morceau, mais on ait des priorités claires. Est-ce qu'il y a des périodes ou un type de tâches sur lesquelles l'un d'entre vous a des difficultés que je puisse le prendre en compte quand je répartis le travail et que j'anime l'équipe? Et si là tu vois véritablement un blocage et tu sens que tu vois, genre, c'est de l'obstruction, là tu sais que non seulement il n'y a pas de, ça va être avancé très difficilement, mais en plus, tu vois, tu as une base factuelle pour dire, ben voilà, moi, je suis capable, y compris dans mon management, de me remettre en question. La preuve, j'ai organisé avec mes collaborateurs un point d'équipe pour faire mieux et pour changer la relation. Maintenant, vous voyez bien que, quand je donne des gages de bonne foi, de bonne volonté pour avancer dans ce sens-là, ben voilà, il y a un blocage qui n'est pas de mon fait. Et ça va te protéger, y compris professionnellement. Voilà. Voilà, merci Marwan. Je t'en prie. Allez, bon courage à toi. Merci. Alors, je rappelle le thème de ce soir, les personnes qui souhaitent monter, c'est le pouvoir des mots. Donc, on reste sur ce thème, s'il vous plaît. Donc, j'accueille une personne. Bismillah. Inch'Allah, un N'hésitez jour, pas à retrouver le. faudra qu'on fasse un Ouais. live sur les questions hors sujet. Moi, je veux bien, je les prends toutes, tu vois. Toutes vos questions, teinture de cheveux, tu vois, jeu de dés, paris sportifs, est-ce que je dis bismillah alors que la viande, elle est haram? Toutes ces questions-là, vous me les gardez. Je vous fais des réponses freestyle, je tire des réponses au hasard du chapeau, puisqu'apparemment, tu vois, vous posez des questions à n'importe qui sur n'importe quoi pour certains. Tu vois, il n'y a pas de problème, on fait un live En fait, dès là-dessus. qu'il y a marqué On montre, islam, tu dès qu'il y a vois, marqué islam, les gens, ils se permettent, tu genre, vois. construit un bête de spectacle, de stand-up, juste avec les questions hors sujet. Ah, si tu savais le nombre de questions que je reçois, moi. Garde-les, franchement, garde-les. Moi, je les prends et je connais plein, tu vois, d'humoristes. Au moins, on les fait travailler, quoi. Alors, accepter. N'hésitez pas à regarder vos mises à jour. Des fois, ça ne veut pas vous faire monter parce qu'il n'y a pas la mise à jour. Tu vois la boîte à questions, Marwan? Ouais.
Bah, On n'hésite parle pas à choisir d'hiver, une question si attends, le je vais la temps se passe pas retrouver, très tac, ah vite. ouais, il y en a un paquet, oh là là. Alors, est-ce que, Salam Marwan, est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré dans ta communication et pour toi qui es le plus éloquent dans ma communauté musulmane qui maîtrise le mieux la com? Alors, une personne, moi, que je trouve qui est trop fort, c'est mon papa en fait. Et pourtant, des fois, il fait des fautes de français et tout ça, mais il a une manière d'être où tu sens que. Qui parle à un ministre ou qui parle à quelqu'un qui est ouvrier ou quelqu'un qui est médecin ou quelqu'un qui travaille dans une boucherie ou dans un champ ou dans l'autre, en fait, il leur donne de l'importance et tu te sens bien en sa présence. Et même quand il dit des choses qui sont douloureuses et graves, tu sens que, tu vois, genre, ton cœur, il fait plus un, ta tête, elle fait plus un. Allah yarhamou, mais tu vois, juste dans sa manière d'être, c'est lui qui m'a le plus inspiré. Et ma maman, dans sa manière d'être déterminée quand elle voit une injustice et elle lâche rien. Donc, je sais que ça fait plan-plan de dire que c'est ses parents, mais c'est le cas, je ne vais pas vous mentir. Bien sûr qu'il y a des figures historiques, des personnalités. Bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déchire dans sa manière de s'exprimer, sa communication, et les sahabas, ils ont leur style à eux. Bien sûr, et tout ça, en tant que musulman, ça fait partie de ce qui me fonde. Mais quand tu as ton papa et ta maman, et tu sais que tu peux compter sur eux, et tu sais que quand ils ouvrent leur bouche, c'est toujours pour quelque chose, et ils le font d'une bonne manière. Après, quand tu grandis comme ça, tu réfléchis autrement. Et ensuite, la personne qui est la plus éloquente dans la communauté musulmane, ouais, il y a une personne précise dont je trouve qu'il surclasse en fait tous les autres intervenants en rhétorique et en éloquence. C'est un juriste belge qui s'appelle Mehmet Saïgine, qui est à Bruxelles, et il est brillantissime, pour le dire simplement. C'est quelqu'un qui intervient sur des questions juridiques, des questions de laïcité, des questions de vivre ensemble, qui est très calé professionnellement dans ce domaine, mais sur l'aspect rhétorique et éloquence, oh, il est dans un level à part, il est dans un niveau à part. Véritablement, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, comment gérer vos émotions quand il s'agit d'un sujet qui vous tient à cœur? Dans la vie de tous les jours, sincèrement, c'est normal que vous ayez des émotions et que ça vous touche et que des choses vous mettent en colère légitimement ou vous produisent en vous une émotion positive ou de tristesse ou d'empathie. Vous êtes des êtres humains et c'est très bien comme ça. Mais ça doit jamais vous amener à adopter un comportement dont vous ne serez pas fier a posteriori. Donc, une astuce, par exemple, que j'utilise, c'est je prends jamais une décision dans la colère et je prends jamais une décision tout seul en fait. Donc avant de décider quelque chose de décisif, pardon, décider quelque chose d'important et qui prête à conséquence, genre tu quittes ton travail, tu changes d'association, tu romps les liens avec quelqu'un parce que tu penses que cette relation elle est toxique. Avant de prendre, tu vois, je prends conseil auprès de l'entourage. Des parents, de l'imam ou de l'enseignante qui te sert de référent religieux, de ton conjoint ou d'amis proches dont tu sais qu'ils ont une bonne influence sur toi. Et après seulement tu prends une décision. Mais c'est normal d'avoir des émotions et c'est pas quelque chose que tu dois, à mon sens, réprimer. Ensuite, on me reproche d'être. Oh, ça, j'ai déjà répondu. Comment gérer au mieux? Non, ça aussi, on a répondu. Comment donner du poids à ces mots? En les choisissant, en fait. En les choisissant et en comprenant que moins on en dit, plus on signifie des choses. Voilà. Ensuite, c'est une question religieuse. Quelle est la meilleure façon de faire quand tu sens qu'il n'y a plus de cohérence et que tu es en train de perdre tes mots? Tu prends une pause en fait. Devant une assemblée ou dans toute autre échange. Quand tu vois que tu commences à bégayer ou que tes idées elles commencent à être décousues ou qu'en fait tu perds le fil en fait de ton raisonnement, t'arrêtes net. T'arrêtes net. Quand je te dis t'arrêtes net, c'est stop. Une petite astuce que j'utilise, c'est j'ai souvent une bouteille d'eau avec moi. Quand je vois que j'ai, si j'ai soif, je bois. Mais si je vois que j'ai besoin de reprendre mes esprits ou de refaire le focus sur ce pourquoi je suis venu et de rassembler mes idées, je m'arrête,
je bois un verre d'eau, je me donne quelques secondes et je reprends la parole. Il n'y a personne qui pourra me reprocher de m'arrêter 30 secondes. Et si on me pose la question, je dis ouais, je suis en train de rassembler mes idées et de reprendre le fil de mon argumentation. Qui va me reprocher ça? Plutôt que de dire n'importe quoi ou de me mettre en stress parce que j'enchaîne pas les arguments ou j'enchaîne pas les idées les unes après les autres. Question de Window Seat, comment travailler ces mimiques lorsque je parle et que je suis mal à l'aise? J'ai tendance à grimacer un peu et je me rends compte qu'en face, mes propos sont mal interprétés. Alors, de manière générale, la consigne que je donne, c'est si ça n'est pas handicapant dans ton expression, alors ne le modifie pas parce que les petites aspérités de langage, les petites mimiques du visage, si elles ne sont pas disgracieuses, en fait, elles font partie de ta personnalité et elles font partie de qui tu es. Il ne faudrait pas qu'on ait tous des communications lissées, standards, bien cadrées. Maintenant, si tu vois que tu as des mimiques et qu'en fait, elles renvoient en fait, quelque chose de négatif et toi, tu penses pas à mal, mais les gens se disent, ah, elle est en train de faire la moue, ça veut dire elle nous dénigre ou quelque chose comme ça, peut-être que tu peux en faire une blague. Si la relation est bonne avec les collègues ou avec les amis, tu peux en faire une blague. Genre, moi, par exemple, quand je fais la grimace, c'est quand je goûte quelque chose de nouveau, je fais tout le temps la grimace, même si c'est bon. Et pareil, quand je découvre quelque chose, une nouvelle expression ou une nouvelle idée, la première réflexion, ma première expression, elle semble dubitative, mais en fait, c'est du questionnement plus que du doute ou du rejet. Donc ça, c'est une première manière. Et puis, si véritablement ça devient un peu compulsif et que c'est handicapant pour ton expression et ta communication, tu peux demander à un proche ou à une proche, soit de t'aider là-dessus, de te le rappeler quand tu le fais. Comme ça, si vraiment ça a manqué de respect à quelqu'un ou ça a causé tu vois, du doute à quelqu'un, je suis désolé, là, je faisais la grimace, c'est pas vis-à-vis de toi, c'est juste parce que j'étais en train de réfléchir dans ma tête. Voilà. Alors, on a un petit souci. Marwan, il n'y a personne j'arrive pas à les faire monter. Ça ne veut pas les faire monter. Donc, des personnes qui ont fait des demandes, je vous invite à éteindre votre téléphone et rallumer. Ça va fonctionner. Ok. De toute façon, je vais me Il donner reste des encore quelques. questions? Ouais, il y en a encore un paquet. Hey, la sœur, avec les teintures à l'ammoniaque, elle est déter. Elle est ultra, ultra motivée. Mais elle juste met de la bombe. Elle prend tu veux, les bombes là, pour les peintures de voiture. Mets la couleur que tu veux, reste fresh, tu vois. Fais comme moi, tu vois. Tu vas être au top. Ensuite, comment améliorer la communication dans une fratrie? Alors là, c'est tendu en fait. Parce qu'en fait, plus on est proche de la personne, et tu ne peux pas être plus proche que de tes frères et sœurs. Vous avez grandi ensemble depuis le. Depuis... Attends, juste pause. La sœur, là, qui j'ai dit avec la bombe et tout ça, ma sœur, tu as bien compris que c'était une blague, c'est juste pour rigoler. Je ne pense pas à mal. Pose la question à un imam, c'est 10 fois mieux. Mais juste comprends que quand l'équipe qui organise ce live, elle annonce 5 fois pendant le live et auparavant que le sujet, c'est le pouvoir des mots, et c'est autant que possible de poser des questions qui sont dans le sujet. Comme ça, tout le monde est à l'aise. Et enfin, là, tu trouveras la réponse dont tu as besoin auprès de quelqu'un de qualifié. Je reviens à mon sujet. Plus les personnes sont proches, plus c'est difficile de trouver les bons mots parce que c'est tout de suite viscéral, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les conseils que je vous donnais, des fois, ce n'est pas à vous. Par exemple, tu vois, les choses difficiles à dire ou difficiles à entendre, des fois, ce n'est pas vous la personne la mieux placée pour le faire. D'accord? Donc, la technique des questions, elle peut être quelque chose. Elle peut être efficace, y compris dans ce contexte-là. Mobiliser quelqu'un d'autre de la famille et de l'entourage, ça peut être efficace ou ça peut être pertinent, vraiment en évaluant bien, parce que ça peut être à double tranchant. Et puis, un truc tout simple que j'ai découvert, c'est les câlins, en fait. Des fois, en fait, on se complique la vie. Mais des fois, tu vois, genre juste, tu prends ton frère dans tes bras et tu lui dis que ça, c'est important pour toi. La chose qu'il aurait été incapable d'écouter le reste du temps, là, quand il se rappelle que tu es sa grande sœur ou son grand frère ou son petit frère ou sa petite sœur, là, tout de suite, il se rappelle de ce qui est essentiel et que la personne, tu vois, qui est dans ses bras, elle ne peut pas vouloir autre chose que son bien quand elle lui dit ça. Donc, des fois, tu vois, on se complique la vie et on met de l'ego. Avec nos proches et ainsi de suite. Alors que tu vois, genre, tu as un rappel à l'essentiel, tu vois, qui a pas plus beau, il n'y a pas plus digne, tu vois, que l'affection qu'il y a au sein d'une fratrie. Donc ça,
Soyez-en conscients. Et puis une dernière astuce, c'est pas une astuce, mais c'est juste un truc qui m'a marqué. Quand il y a des problèmes, quand il y a de la tristesse, quand il y a de l'inquiétude, pour ceux d'entre vous qui sont égyptiens ou qui ont dans leur entourage quelqu'un d'égyptien, il y a une expression que mon père dit tout le temps et que nous, on a repris, c'est Wahadou. Wahadou, ça veut dire unifie. Unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on te dit Wahadou, toi tu réponds La ilaha illallah. Et en fait, au fur et à mesure, tu réalises que quand cette expression quotidienne très usuelle des Égyptiens, elle est là pour te dire, en période de détresse, rappelle-toi de ce qui est important. Et après, quand tu dis Wahadou, La ilaha illallah, tu te rappelles que, ben ouais, en fait, c'est ça le truc principal de ma vie. La réalité indépassable, tu vois, de nos existences, c'est notre rapport à Dieu. Donc le fait qu'il y ait une difficulté au travail, le fait qu'il y ait une fuite dans le plafond, le fait que la bagnole elle est en panne, le fait que la maison elle est sans dessus dessous et on ne sait même pas par où commencer, tout ça en fait, venez, on relativise pendant 2 secondes, parce que ce qui est véritablement fondamental et important dans notre vie, c'est ce qui se passe entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà les petits conseils au niveau familial que je donnerai. Alors, on a une sœur, on a une sœur parmi nous. Ok. Salam alaikum. Excellent. Alors, Inès, tu es en direct? Ah bon? Oui. Ah pardon. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez pas? Non, 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 on ne te voit pas, t'inquiète pas. Tu voulais réagir? Excellent. Bah oui, je réagissais par rapport à ce que vient de dire le frère, mashallah, par rapport aux frères et sœurs. Frères et sœurs de sang, bien évidemment. Et même si ce n'est pas des frères et sœurs de sang, on se doit d'être bienveillant. Et moi, je suis issue d'une famille, très grande famille. Je n'ai pas pleuré parce que c'est très difficile pour moi. C'est que j'essaie de leur montrer... je dirais pas le droit chemin parce que personne n'est parfait, hein, n'est-ce pas? Allah yahdihum wa Allah yahdini. Mais c'est très difficile pour moi de trouver ma place en tant que grande sœur. Alors quand je leur parle de religion, bien évidemment, on a perdu mon père, l'alhamou, ça fait 27 ans maintenant. Alors vous savez comment on m'appelle? L'imam 2.0. Voilà. Et pourtant, j'ai une maman qui fait ses prières, qui est très fatiguée, mais qui est très à l'écoute. Hein. Mais je sens une différence. Et cette différence, ça me fait très mal. Voilà, quoi. Ma question, Inès, c'est... Je t'en prie, je te laisse terminer, Inès. Excuse-moi. Pardon, c'est Afouane, hein, excuse-moi. Non, c'est moi qui te présente. En fait... C'est un peu compliqué, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais à chaque fois que je parle de, vous savez, de rappel, le rappel profite à chacun et à chaque croyant. À chaque croyant. Enfin, c'est ce que maintenant je me dis. Hein, parce qu'à chaque fois que je leur envoie des rappels, quand moi je leur dis, mais non, ça, je ne leur dis pas ça, c'est haram. Parce que je ne peux pas. Allah, il est miséricordieux, il pardonne. Donc je leur dis, non, on a un certain âge, on doit se. Comment vous expliquer? Tauba, ça veut dire on doit se repentir. Le repentir, c'est mais sincère. Oui, mais toi, tu es là en train d'écouter tes imams. Non, c'est pas mes imams, c'est ce qui est écrit dans le Coran Karim. Donc, moi, ma question, c'est que comment faire pour aborder le sujet avec eux? Je les offense pas, hein, mais à chaque fois que j'écoute des rappels, c'est oh là là, elle saoule. Voilà quoi. Ok. Alors déjà, comprends la notion de ce qui est de l'ordre de ta responsabilité et ce qui ne l'est pas. Ta responsabilité la plus immédiate, c'est ta responsabilité individuelle et ta responsabilité si tu es déjà marié ou que tu as des enfants. Là, tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux et tu as une responsabilité vis-à-vis de tes parents. Après, tes frères et sœurs, tu vois, si tu as dit des choses, tu as essayé de les conseiller utilement dans certains moments, mais tu sens que en fait là... On n'a pas le canal, en fait. On n'a pas le, on n'a pas le canal entre nous. Et ma parole à moi, elle est remise en question parce que ça y est, j'ai le rôle de, comme tu as dit, l'imam de Pro. Oui, voilà.
tu vois, c'est, n'alimente pas en fait cette, ce rôle-là de manière supplémentaire, puisque tu vois, tu vois que c'est inaudible à un moment donné de leur part. Comme je disais tout à l'heure, des fois, il y a un message important, mais tu n'es pas forcément la bonne personne pour le transmettre ce message. Et il se peut qu'une autre personne est mieux placée que toi, ou que ce soit tout simplement pas le moment pour eux. Peut-être que, tu vois, le rappel, il va venir à un autre moment de leur vie, parfois dans des situations d'épreuve, parfois dans des situations de bonheur, parfois dans des situations où ils ont encore beaucoup de temps pour corriger les choses et rectifier le tir, parfois dans des moments où c'est les derniers moments de la vie, et c'est pas toi qui es maîtresse de ça, mais c'est encore moins toi qui es responsable de ça. Toi, tu es responsable que tes frères et sœurs, s'ils ont une question à te poser, tu saches leur répondre correctement ou les orienter correctement. Tu es responsable que si tes frères et sœurs, ils ont besoin de ton aide ou de ton avis, tu puisses leur fournir cette aide et cet avis sincère de manière bienveillante et disponible. Mais garde en tête que, tu vois, genre, au-delà de ça, tu ne peux pas faire beaucoup, beaucoup plus si eux, ils n'ont pas une écoute vis-à-vis de toi. Mais par contre, sois disponible, sois là pour eux. T'inquiète que quand tu es là pour eux, tu vois, dans les moments d'épreuve, en les soutenant sans nécessairement les culpabiliser et les humilier parce qu'ils font des fautes et tout ça, tu vas les trouver et eux-mêmes, ils vont venir te voir pour dire, tiens, s'il te plaît, Inès, tu vois, genre là, tu m'avais parlé de tel sujet, tu ne veux pas m'envoyer une vidéo, tu ne veux pas me trouver une info pour que je puisse, pour que je puisse gérer ce problème dans ma vie. Et puis, dernier point, tu as une situation où ils vont avoir dans leur entourage d'autres personnes. Et tu peux avoir une stratégie où, au bout du compte, c'est ces personnes-là qui vont faire le job à ta place. Des fois, je sais pas moi, ta belle-sœur, elle peut être une meilleure influence sur ton frère que toi, tu vas l'être. Ou bien, dans le cadre du travail, ils vont se heurter à une situation où, bah tiens, au travail, où ils vont trouver quelqu'un, tu vois, qui, avec qui ça clique vraiment sur le plan intellectuel ou de l'amitié, et c'est avec eux qu'il y aura une bonne influence, tu vois, qui va les sortir de là. Gardez en tête que, tu vois, genre ça, là, c'est une problématique ultra récurrente dans plein plein de familles musulmanes. Ne vous mettez pas la pression. Préservez vos liens familiaux, sauf s'il y a véritablement une alerte rouge et l'un des frères et sœurs fait des catastrophes et des très, très, très grosses bêtises. Maintenez les liens et restez dans des relations d'affection et tout ça. Et soyez disponible pour eux quand ils ont besoin d'un bon conseil ou d'un bon petit coup de main, inchallah. Voilà. Et le reste, c'est de voir avec comment on se prépare. Impossible de faire monter les gens, Marwan. Ok. Du coup, on va rester sur les questions à l'écrit. Ça marche. Moi, je voulais qu'on parle un peu de la formation en ligne que tu proposais. Ouais. Ouais. J'aimerais savoir comment t'es venue cette idée de lancer une plateforme de formation pour l'autodéfense intellectuelle. Mm-hmm. Et pourquoi il y a marqué faire plus un dans votre vie personnelle et professionnelle. Ouais. Bien sûr. En fait, je me suis rendu compte que souvent, on apprend des choses qui sont techniques. Genre on apprend à faire du pain, on apprend à usiner certaines pièces, on apprend à soigner un cœur ou à opérer des poumons ou autre chose, on apprend à faire des maths. Mais les compétences qui font la différence, en plus de ces savoirs techniques, on ne les apprend pas. On a appris tout ça à l'école, mais on n'a pas appris à apprendre. On ne sait pas comment apprendre une leçon, on ne sait pas comment réussir un examen, on ne sait pas comment défendre un projet, on ne sait pas comment organiser son temps et gérer son planning. Et pourtant, ces compétences-là, elles sont décisives et elles font la différence entre une bonne idée, une bonne intention et un bon projet, et un bon projet réussi. Et puis sur le terrain, à chaque fois, en fait, quand j'allais en conf ou quand j'allais en mission dans des assos ou dans des communautés locales, on me dit « ouais, tu vois, genre, j'aimerais bien pouvoir m'exprimer correctement, j'aimerais bien apprendre à m'organiser correctement, est-ce que tu ne pourrais pas nous donner des conseils ?» Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai dit bah, « moi je ne suis pas prêt encore à le faire parce que je n'ai pas suffisamment d'expérience et je n'ai pas suffisamment étudié pour pouvoir transmettre ça. » Et donc, j'ai fait ça pendant 10-12 ans et là après, une fois que j'ai vraiment tout testé, tout blindé, j'ai testé les formations sur le terrain. Et par exemple, la formation d'autodéfense intellectuelle,
je l'ai donné à plus de 2500 personnes dans des amphithéâtres, dans des théâtres, dans des universités, dans des associations de terrain, jusqu'à ce que véritablement elle soit complète et solide. Et puis après, même chose pour gestion du temps et organisation, et même chose pour le module de machine à apprendre. Et donc là, sur le site formation avec un S, formation.marwanmohamed.com, vous avez l'ensemble des descriptifs des formations. Mais pour répondre à ta question, en gros, la plupart des formations que tu trouves en ligne, elles te promettent ou elles te disent, voilà, tu vas devenir quelqu'un d'incroyable, tu vas devenir quelqu'un de génial. Et nous, c'est pas du tout le discours, en fait. On est des êtres humains, on est réalistes, on prétend pas devenir des super-héros ou super-mouslims ou super-éloquents ou super-spin. Tu vois, c'est pas l'idée. Mais par contre, un jour après l'autre, par petits pas, à chaque fois, on fait plus 1, plus 1, plus 1 pour progresser et aller dans le bon sens. Et que, en fait, dans notre manière de nous exprimer, dans notre manière d'apprendre, dans notre manière de gérer notre temps, dans notre manière de gérer nos relations, ben en fait, on aille de mieux en mieux et on progresse de manière réaliste. Et donc, les formations, en fait, elles sont conçues avec vraiment des bases ultra solides, tu vois, qui sont sourcées scientifiquement. Mais le format, vous le verrez dans les petites vidéos qui sont sur le site, et ben en fait, les formats, ils sont des formats qui sont agréables à suivre, avec un beau décor. On a essayé de parler de manière posée, que vous puissiez profiter de ces cours-là de manière détendue et agréable, de manière conviviale, y compris en famille. Après, vous avez des supports de cours pour chaque cours, pour chaque module. Et puis surtout, le plus important, c'est, en fait, il y a un truc qu'on appelle le hub, c'est le réseau social des apprenants. Et ça, c'est comme un espace qui est dédié aux gens qui sont inscrits et où ils peuvent se donner des conseils mutuellement, s'entraider mutuellement sur certains des exercices, se tirer vers le haut. En fait, comme s'il y avait un réseau social sans tous les sujets stériles et polémiques et où tu peux demander conseils, tu peux demander des coups de main et tu progresses en fait avec des personnes qui partagent exactement le même état d'esprit. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux sont de confession musulmane, mais j'imagine pas uniquement. Mais par contre, ils ont tous en tête des valeurs de bienveillance les uns vis-à-vis des autres, des rapports de respect et la volonté vraiment de progresser sans rentrer dans des querelles stériles, sans rentrer dans des pertes de temps, sans rentrer dans des choses qui sont néfastes ou inutiles pour eux. Et donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant l'année et demie qui vient de s'écouler avec mon équipe. Et du coup, on a lancé la plateforme ce début de semaine. Et là, du coup, bah, justement, là, jusqu'à dimanche, on met le paquet parce qu'on a une offre de lancement pour les apprenants. Et voilà où on en est. Voilà. Il y aura des rencontres physiques ou c'est seulement via Internet? Oui, les gens qui sont inscrits, en gros, ils ont le choix d'opter pour une formule mensuelle où c'est 20 € par mois ou une formule annuelle où c'est 120 € l'année pour le tarif de lancement. Et ils ont accès au hub et à toutes les activités qui sont organisées dans ce cadre-là. Une partie des activités, c'est des activités en ligne. Par exemple, chaque semaine, on a un live comme ça, sauf qu'il est thématique et tout le monde peut poser ses questions. Ou bien, par exemple, ils peuvent présenter leur discours ou bien leur exercice ou bien leur projet d'action et ils reçoivent un feedback. Et puis, ensuite, des rencontres physiques, une fois par mois, un meet-up, un petit-déj ensemble, un repas ensemble, une journée ensemble autour d'une thématique ou autre, de sorte que les gens tissent des liens entre eux, pas uniquement par le digital, mais aussi dans la vraie vie, entre guillemets. Quoi. Voilà. Et on a vu, il y a une sœur qui avait payé 120 € l'année, et c'est pas cher. Non, c'est pas cher, parce que sur ce qu'on voit sur le marché, c'est fou. Je sais. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était que ce soit accessible au plus grand nombre, en fait. On a regardé au début, tu vois, quand on a fait l'étude de marché, on se rendait compte, bah, des gens, ils vendent des formations, tu vois, genre à peine quelques heures, et pour un contenu vraiment mitigé, pour des 1500, pour des 2000 €. Et nous, on s'est dit, on va faire exactement le contraire. On va essayer de faire la formation la plus aboutie, la plus complète, la plus qualitative sur le fond comme sur la forme. Et en même temps, on va veiller à ce que quasiment n'importe qui puisse se la payer. Et donc, du coup, c'est pour ça que l'offre de lancement, elle est à 120 €.
ça fait une moyenne de 10 euros par mois pour accéder à tous les cours qui sont disponibles et tous les cours qui seront disponibles dans le futur. Et toutes les activités, le hub, les rencontres physiques et ainsi de suite. Et on a même, pour les personnes qui sont démunies ou qui sont vraiment sans ressources ou qui sont éligibles à la zakat et ainsi de suite, on a même prévu qu'il y aura un quota spécifique de places pour elles, parce que pour nous, on voulait que ça se soit accessible au plus grand nombre et qu'en même temps, ce soit fait de manière avec une qualité professionnelle et un niveau qui est relativement soutenu et que les gens puissent en profiter vraiment, quoi. Voilà. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Là, l'offre, elle termine dimanche soir, Inch'Allah, l'offre spéciale de lancement à 120 euros par an. Et sur formation avec un s.marwanmohamed.com, vous avez vraiment tous les cours, les vidéos, les présentations avec les différents modules, le programme des formations. Là, on est ravis, en fait, parce qu'on a commencé déjà. On avait notre live avec les nouveaux, le live de la rentrée hier soir, et c'était génial. Et vraiment, l'état d'esprit, l'émulation en fait, qu'il y a dans le groupe, et les questions qui sont posées, et l'entraide, alors que les gens, il y a quelques temps, ils ne se connaissaient même pas encore, franchement, ça nous fait fondre, ça nous touche beaucoup. Et tu sens que là, ce que vous étiez en train de dire quasiment tous dans les questions-réponses, ben voilà, ça se retrouve là. Il y avait une question là sur combien d'heures de formation environ dans l'offre. Chaque cours, il y a à peu près 8-10 heures de vidéo et environ 5 heures d'exercice. Et puis tous les quiz et les supports de cours. Et là, il y a trois grands cours qui sont disponibles. Je vous le disais tout à l'heure, le pouvoir des mots, c'est sur tout ce qu'on a discuté ce soir. La gestion du temps et l'organisation. Et le troisième module, c'est machine à apprendre. Et à partir de la rentrée, il y aura des nouveaux cours plusieurs fois par an. On vous rajoutera des nouveaux cours et ce sera compris en fait dans le même prix. Et donc, c'est 120 euros par an et vous avez accès à tout pour répondre à la question de Karim. Voilà. Les personnes qui souhaiteraient voir, on avait fait un live avec Marwan pour parler du temps. Ouais. Donc, il est disponible sur YouTube, ceux qui veulent le voir, ils veulent se faire une idée et après approfondir via la formation. Est-ce qu'on peut utiliser son compte CPF? On demande beaucoup cette question. Alors là, dans la version grand public, elle est pas éligible au CPF, tout simplement parce qu'on ne pourrait pas, ce serait trop onéreux pour vous si on vous facturait en fait toute la partie certification CPF et validation des acquis au niveau individuel. Par contre, d'ici la fin de l'année, on aura la version pro qui est disponible pour vous. Et celle-ci, on veillera à ce qu'elle soit éligible CPF. Mais vous verrez la différence de prix entre 120 euros ou 10 euros par mois pour l'accès à tous les contenus et puis les budgets de formation pro qui sont forcément plus onéreux parce que nous, on a besoin de prendre un cabinet de certification pour vous valider ça individuellement. Donc là, on a déjà tous les agréments qu'il faut, que ce soit en termes d'organisme de formation, de label Calliope et ainsi de suite pour ceux qui connaissent. Mais on ne pouvait pas à la fois forcer la certification CPF sur ces formations et maintenir et garantir un tarif de 120 euros par an pour l'offre de lancement qui soit vraiment accessible au plus grand nombre. Voilà. Les personnes qui souhaitent voir la formation, vous appuyez sur le titre en haut à gauche, vous trouverez le compte de Marwan et c'est dans sa bio et moi je le mettrai juste après dans la story. On a une sœur avec nous, Marwan, et après ça va être la dernière. Salam alaikum. Oui. Salam. Salam. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ok. Moi, j'avais une question, en fait, justement, sur le pouvoir des mots, sur l'éloquence, sur le fait de bien parler, parce que je me retrouve avec un souci avec mes propres enfants, pour qui j'ai tenu absolument à ce qu'ils parlent bien, à ce qu'ils aient du bon vocabulaire. Je me suis beaucoup renseignée sur les neurosciences et justement comment l'enfant se développe dans la petite enfance pour acquérir un maximum de vocabulaire. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un vrai décalage entre mes enfants et les enfants dans les écoles publiques. Bien sûr. Et aujourd'hui, alors j'ai un fils qui a été identifié au potentiel intellectuel et donc du coup, en fait, bon, la seule solution qu'on a, c'est bien sûr de faire des sauts de classe, ce qui pose ensuite des problèmes sociaux. Mais du coup, en fait, sur ce pouvoir des mots, sur l'importance qu'on y donne, je trouve qu'il y a vraiment un décalage, en tout cas dans l'école publique. Et c'est difficile de trouver une solution quand on apprend à ses enfants justement d'acquérir tout ce qui nous paraît important
et qu'en face, bah, il se retrouve dans un monde qui ne le permet pas. Bien sûr, enfin, tu vois, genre, je peux pas approuver plus ce que tu dis. Je me retrouve face exactement aux mêmes aux problématiques. Moi aussi, je suis père de famille et nous aussi, avec mon épouse, on a eu exactement le même souci de leur transmettre, de les former, de les préparer au mieux. Au bout d'un moment, on s'est dit que nous, on est responsable de nos enfants. Et on leur a appris que c'est pas grave, en fait, si des fois, ils n'ont pas exactement les mêmes expressions que les autres, et c'est pas grave si ils n'ont pas exactement le même style vestimentaire que les autres. C'est pas grave tout ça, parce qu'en fait, ils ne cherchent pas à se conformer à une idée ou à une norme qui ne leur convient pas forcément à eux systématiquement. Mais par contre, on veille à ce qu'ils aient des relations et des rapports avec leur entourage, y compris à l'école, qui soient vraiment trois étoiles. Donc, ils participent à des projets scolaires, ils ont des top relations avec les profs et ils se sont fait un cercle d'amis. Mais ils font la différence entre ce que c'est un vrai ami que tu vas garder pendant des années et on l'espère pendant toute ta vie, et juste des gens qui sont dans ta classe avec qui tu as sympathisé et qui sont juste des connaissances. L'autre astuce qu'on a utilisée aussi, c'est qu'ils aient d'autres cercles de socialisation en dehors de l'école. Donc, par exemple, il y a un truc que je fais. Quand je pars en voyage, je veille à ce qu'une fois par an, je prends l'un de mes enfants avec moi. Quand je pars dans le cadre du travail ou bien quand j'accompagne un groupe en voyage pour des activités pédagogiques ou autres, je veille à avoir l'un de mes enfants avec moi. Déjà, je suis plus à l'aise d'avoir l'un de mon fils ou l'une de mes filles qui m'accompagne quand je suis dans un entourage avec des personnes que je connais pas forcément et avec qui je vais passer une semaine, 10 jours. Et deux, ça leur donne l'occasion d'interagir avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément le même âge ou des enfants qui sont d'autres familles dans un autre type de cadre. Donc, entre le cercle de l'école, le cercle des activités sportives, le cercle des familles qui nous sont proches, le cercle des associations où ils filent un petit coup de main ou bien du cours de dessin ou autre, ça leur fait plein d'occasions en fait de rencontrer des gens qui n'ont pas forcément leur âge, qui n'ont pas forcément leur culture, qui n'ont pas forcément leur religion, mais qui au fur et à mesure vont participer à ce mix d'influences, de cultures qui leur ouvre l'esprit, alors que tu vois, ils sont dans des fondamentaux. On essaie aussi de leur transmettre une éducation musulmane solide. Et plutôt que d'essayer de mettre l'école publique à niveau ou de mettre l'école privée à niveau de tous les élèves, spoiler, ça ne va pas se faire tout de suite, au moins on veille à ce que pour nos enfants, eux, ils vivent pas ça comme une source de frustration. Et je termine, parce qu'il y avait une sœur dans un live précédent qui avait posé la même question. Ma sœur, c'est une bête de bonne nouvelle. Si tu as réussi à transmettre à tes enfants le goût d'apprendre, le goût des mots, tu viens de leur offrir, et que Dieu te récompense, toi et leur papa, un capital qui leur sera utile et qui sera décisif pendant toute leur vie. J'espère. Et je trouve que c'est justement apporté. C'est vraiment quelque chose qui est apporté de tous. Il suffit juste d'avoir quelques petites clés pour savoir un petit peu justement comment faire avec les enfants pour leur donner ce goût-là. Et je trouve que vraiment, ça donnerait quelque chose à notre communauté d'incroyable qui permettrait justement à tous ces petits qui vont un jour devenir grands et qui vont être notre communauté de demain, de pouvoir avoir justement ce poids, cette force, cette confiance en eux, cette éloquence. Et je voulais juste terminer en donnant un message d'espoir, c'est que quand j'étais petite, moi je viens d'une famille qui n'était pas du tout dans voilà, c'était pas une famille qui avait fait des études, etc. J'avais un grand-père peintre en bâtiment, pas de papa, etc. Donc, c'était une situation complexe. J'ai réussi à m'en sortir justement parce que ma maman nous a transmis ça, nous a transmis le fait qu'il fallait apprendre. Et ça, je pense que c'est le message fondamental justement qu'on a dans l'islam, apprendre. Et ça nous ouvre énormément de portes. Je suis passée de petite fille timide, maladive, qui n'arrivait pas à s'exprimer parce que je n'y arrivais pas, j'étais trop timide, à aujourd'hui pouvoir me présenter devant des directeurs ou devant des instances, défendre les droits de l'école de mon enfant sans problème, parce que justement c'est à portée. Donc voilà, c'est juste le message que je voulais transmettre, c'est de dire que c'est à portée. Bravo super maman, merci. Merci à vous. Bisous aux enfants, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam.
Cool. Je te laisse conclure, Marwan. Non, juste, elle m'a fait Un plaisir, en dernier fait. mot. Elle m'a fait plaisir, c'est tout. Je suis content pour elle, je suis content pour ses enfants. Et juste, je veux juste dire pour la sœur, comme pour les autres mamans, les autres papas, comme pour les jeunes frères et sœurs, tu vois, qui nous écoutent, sincèrement, c'est pour vous qu'on s'est pris la tête, en fait. Et quelque part, en fait, cette plateforme de formation, elle est la continuité de tout le reste de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait précédemment. Mais là, le fait de s'être concentré vraiment uniquement là-dessus pendant 18 mois, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on peut fournir à notre communauté de personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes objectifs, de s'élever dans tous les sens du terme, qui va être le plus utile et le plus impactant pour leur donner les outils qui font la différence. Et c'est ça l'intention claire, en fait. Voilà. Et vous nous faites fondre. Franchement, le soutien, l'énergie, les encouragements, l'énergie, les dehors, les invocations, tout ça que tout ce que vous faites pour nous aider, c'est ça qui motive et c'est ça qui encourage et c'est ça qui donne encore plus d'élan, encore plus d'énergie pour poursuivre. Donc juste barakallahu fikoum pour ça. Je sais que je le dis pas forcément souvent sur les réseaux sociaux, mais tout ce qu'on fait, ça sort pas de nulle part. C'est les doigts des mamans, les doigts des papas, les doigts de nos jeunes et qui ont contribué et qui ont fait comme Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils donnent le tawfik quand il faut pour ce type de projet. Voilà. Merci encore d'avoir accepté mon Avec invitation. plaisir, avec plaisir. Et merci à toi. Donc là, au fait que je sais que j'ai certainement dû le dire les fois précédentes, mais vraiment, vous êtes des super-héros. Les activités sur Internet, la constance des publications, la patience pour la gestion des commentaires et les encouragements aux frères et sœurs. Et malgré tout, de continuer à les tirer vers le haut à travers ce petit travail constant de dawa et d'éducation, où vraiment, comme ce printemps, avec vos récompenses, au centuple, au millionuple, au milliarduple, tu vois, de ce que vous faites. Parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il était moins qu'on en bénéficie tous. Voilà. Merci à toi pour ce que tu as fait et ce que tu fais actuellement encore. Qu'Allah te récompense, qu'Allah t'accorde le plus haut degré du paradis. Donc, dis tous amis, Amine! s'il vous plaît. Amine! Et qu'il nous accorde la sincérité, parce que c'est pas facile dans les réseaux d'être sincère, de tout faire pour Dieu à chaque fois, de se dire que c'est pour C'est Dieu. clair. Et tu nous prouves via ta formation avec le prix, et c'est impressionnant. Dire qu'on peut se voir pendant un mois, c'est-à-dire enfin, chaque mois une rencontre avec les adhérents, Ouais, c'est. tu auras des trucs. On va varier. Hein. Tu vois, par exemple, y a la plupart des rencontres, c'est normal, elles seront en Île-de-France. Mais on va varier. Tu vois, par exemple, un goûter après le travail pendant un mois. Et puis la fois suivante, on fait un petit déj le week-end. Le mois suivant, on fait un pique-nique des familles. Tu vois, pour que chaque mois, il y ait une occasion facile de se rencontrer. Et tout au long de la semaine, chaque semaine, un live, plus les échanges, tout ça sur le hub. Voilà. D'accord, super. Je suis très content de pouvoir annoncer ça aux gens et bravo. Avec Bravo, plaisir. quelle récompense. En tout cas, vous et Matoufik. l'équipe, merci à tous d'avoir Amine. participé. Le live sera en replay sur la page Instagram et Inch'Allah sur YouTube aussi. Inch'Allah. Salam alaikum Marwan, Ça m'a à comme tout le bientôt, monde. Inch'Allah. Prenez soin de vous. Ça m'a comme. Alors, les personnes qui souhaiteraient voir la formation, je vous invite à. Regardez ma story, je vais mettre le lien tout de suite. Là, vous récompensez, c'est qu'Allah nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on fait. Salam alaikum tout le monde.